Yo, tranquille, la forme. Aujourd'hui, ne m'approchez pas de 3 mètres, ok? Parce que je suis malade. Je suis malade. Donne tes microbes. Donc, on partage. tu vas voir, j'ai une angine. T'entends ou pas le. Tu sais que t'es plus mignonne avec cette voix-là. Sérieux? Tu trouves que j'ai la voix cassée, tout ça, c'est stylé? Je vais passer avec les autres. Eh ben, Sad, pour toi, je serai malade toute l'année. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un gros canard de merde. Mais ta gueule, ton ramène. Chiche. Ok, tu sais quoi? Ce soir, tu fais ce que tu veux de moi. Quoi? Sérieux? Non, c'est pas vrai. Allez. Yo, tranquille, Jackson. Ça va et toi, Cody? Ça va, la forme? Tu sais, je vais te donner un petit truc, Cody, je reviens. Il faut soigner le mol pour le mol. Vas-y, vas-y, baby. Vas-y, petit check, mon bro. Ma ramé, ma gueule. Petit check, mon boug. C'est Jackson, ouais, là, ouais. Ouais. Bon, je reviens, je crois que je vais me taper ça dans le vestiaire, là-bas. Mais je sais pas, man, aujourd'hui, Sad, elle est à fond sur moi, man. Elle fait que me dire, ouais, Cody, je te trouve trop gang, j'aime trop ta voix, nanani. Mais c'est tous les jours qu'elle fait ça, elle a fond sur toi tous les jours en fait. Non, c'est parce qu'aujourd'hui je suis malade, t'as vu, man, t'as capté la voix là? T'as capté, non. Tu sens les microbes là dans la. Tu sens le nez complètement non, bouché? Je sens juste ton haleine, mais c'est tout quoi. Ah ouais? Ouais. Bah pourtant, je parle pas avec la bouche. T'es abondé. C'est ce qu'il vient de dire, Cody. Quoi? Il a de quoi? Cody. Bon, j'ai dit que toi, tu m'avais invité dans le, tu sais, dans le local à Gun. Ouais, dans le vestiaire. Dans le vestiaire pour qu'on. Ouais, dans le vestiaire. Pour qu'on. Toi et moi. Ah, écoute, Cody, tu veux qu'on mélange la haine et le sexe? Bah, allez, c'était un. What? Quoi? Elle va te prendre le cul, elle va te faire une fille, elle va te rentrer sa bête de bébé dans le cul. Non, mais, what? Qu'est-ce qu'elle fait, man? Man. Le man, Allez, sois un bonhomme. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, le man. Enfin, si, j'ai déjà fait. En fait, c'est comme quand tu. Quand tu mets le linge dans la machine, tu vois. Ouais, c'est dingue. Tu rentres tout d'un coup. Attends, ouais. Non, écoute ça, t'as vu? Je t'aurais bien. Non, cherche pas de disquette, man, c'est pas grave. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Tu sais quoi, dans le fond, t'es un petit peu, on va dire, marron de secours, tu vois ce quoi? Mais non, t'as pas compris ça. Comme je suis malade, je voulais pas te donner mes bactéries, tu sais que c'est super contagieux. Je vais te rouler une galoche, qu'est-ce que tu me baragouines? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais tu sais que c'est plus contagieux par. Ah ouais? Ouais, par. Tu sais. Quand il y a des contacts. Non, mais appelle une co. Oui, c'est plus contagieux par la co. Waouh. Ouais, voilà, c'est ça. Attends, mais. Ouais, bah ouais, voilà. Écoute, tu sais ce qu'on peut faire? Quoi? Tu me regardes pas, tu regarderas le mur. Allez, viens. Quoi? Mais non, attends. Ah, mais comment ça? Comment ça? C'est moi qui vais me faire prendre les fesses. Non, va te faire foutre, Sad. Mais qu'est-ce que t'as? Tu regarderas le mur. Mais ça, elle veut me faire les fesses, man. C'est dinguerie. Mais comme ça, toi. Bah, accepte, comme ça. Mais comme ça, il n'y a pas de transmission de moi de. Non, je refuse. En plus, je suis malade, t'es fou, quoi. Tu devrais accepter. Hein. Tu vas pas me faire crier alors que j'ai mal à la gorge. Bah, elle va te mettre le truc du tout là. Écoute, je te mettrai un petit bandana sur la bouche pour t'empêcher de couiner. Jour de Ramadan en plus aujourd'hui. Big up. Yo, big up, man. Attends, là, toi, t'es. Toi, Sad, faut vraiment que tu trouves un mec. Enfin, une meuf, du coup. Faut vraiment que tu trouves une meuf. J'ai pas besoin de ça, man. Je baisse tous les jours des putes. Ah ouais? Ah ouais. Bah, ça nous fait un point commun. Chiche. Ce matin, je me suis réveillé à l'état. Bah, pourtant, je te croise jamais aux putes. Ouais, tu parce que. Des putes, Koji. Ouais, je baisse des. Ouais, je baisse des points. Viens, on va aller se faire ce pépon là, vite fait. Quoi? Vas-y, Carty, toi aussi, j'ai une autorisation. Ah oui, c'est vrai. Comment ça? Non, mais, Carty Deuz, il m'a dit un truc, il m'a dit, ouais, si tu vois ma petite frangine, elle fait de la merde, tu la baffes. Hier, il m'a autorisé, c'était pas compliqué. Vas-y, t'as 20 piges, tu vas aller au. Et alors, tu vas aller au bois. Et toi, t'as des poils de ta broue, est-ce qu'on te fait. Eh, Sad, continue à vouloir me faire, t'as vu? Là, je suis malade. Ça veut dire. C'est que j'ai envie de faire, Codette. Attends, mais on va vraiment au. Là? On y va vraiment là? Mais, tu crois que je parle pour rien dire, moi, ou quoi?
Et elles sont de quelle origine, latina ou afro? Ouais, il y a de tout, il y a des blondes, des rousses. Ah, il y a peut-être ta maman, connaît. Tranquilo, hein. Ok, et les vagos, ils passent devant chez nous, normal. Ouais, droguer. Écoute, Codette, c'est le moment pour toi de me dire si je fais demi-tour, tu vois. Si tu le sens pas, si t'as peur, si t'es angoissé, on peut en discuter. Parce qu'une fois qu'on sera rentré dedans, tu pourras plus te dégonfler, poupée. Oh, misère. T'es sûr? Est-ce que tu es sûr, Codette, que non. Tu veux... Non, enfin, je sais pas, tu sais, parce que moi, je suis déjà rentré une fois à l'intérieur. Et ils ont pas de sous-chief, tu vois. Ouais, allez, c'est bien ce qui me semblait. Ah, c'est bon, tu peux venir, t'inquiète. Hein, un garçon sensible. Non, en plus, aujourd'hui, tu sais, c'est un jour un peu, un peu chill. Ouais, t'es un coincé, toi. C'est pas grave. Non, mais j'irai demain, parce que là, t'as vu, je suis malade. Coincé. T'es un coincé. Non, pas aujourd'hui, juste, tu connais. Non, demain, on y va. Ou ce soir, minuit. En fait, moi, là, je suis, tu vois, l'Oji, il m'a dit, Cody, faut que tu te repentis, là, je suis un peu dans la religion. Ça m'étonnerait que l'Oji t'ait fait ça, il se fait pomper tous les jours. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, hier, c'est Halloween, quand même. Quoi? Mais, tu crois que, nous, on fait pas que parler, on a pas qu'une grande gueule, nous, Codette. Attends, mais quand tu vas à l'Unicorn, tu fais quoi, toi, la sœur à Boobs? Tu sais que je vais lui dire. Bah, je m'en fous. Donc t'es allé pépon Audi au Unicorn? Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais j'ai compris ça, moi. Mes oreilles, j'ai rien entendu. Viens, j'essaie de arriver devant l'Audi avec la pire des games du monde. Hop, ça, on achète. Mais faudrait... c'est Bob là, celui que j'ai. Il faudrait juste que je retrouve, tu sais, la veste moulante, là. Ah là. Ouais, let's go. Ouh. Oh non, y'a pas vert! Si, t'inquiète! Attention! Là. Mais non! Let's go! Putain, ça va te cracher dessus! Oh la dégaine! Vraiment! Non, je parle des gens qui sont avec les bandes. Yo, Audi! Je sais pas du tout où il est le local gravé. La radis sur ma dégaine? C'est quoi cette tenue là? Tu étais quoi? T'es. Va te changer, va. Ouais, j'y vais. Jamais, là on dirait que tu vas faire d'équitation. Sérieux, man, t'aimes pas? C'est quoi là, on est où? Regarde les mollets, man, ça moule de ouf et tout. Tu trouves pas? Regarde, ça me fait des fesses de fou malade. Vas-y, va te changer. Petit fiac là, t'aimes pas? Vas-y, bah, je vais me changer. Attends, Ménière, regarde le flow à Cody. Regarde, man. Moulant et tout. T'aimes pas? C'est le dernier ensemble de Families Nike. Ton ensemble là. Ensemble, dernier Families Ensemble Nike. T'as fait un France-Angleterre ou quoi, y a pas longtemps? Non, pourquoi, man? Y'a quoi? Et Dixon, sa tenue. Tu fais chauffer la tenue que t'as fait. Oh non. Yo, ça, t'as bien mon nouveau flow? La tenue. Je peux être ton coach sportif personnalisé si tu veux. C'est quoi ça? Ouais, si t'arrives à me soulever. Bon, vas-y, les man, moi je vais me changer. Ouais, c'est mieux. Hein. Mais après, si vous voulez, je la vends la tenue. Hein. Ensemble, non, on va changer rapidement avant la piscine. Ok, man. Oh, pose-moi ce vélo, bro. Man. Parce que tu es en train de faire chauffer. Oh. Tu es en train de faire chauffer, man. Viens, on va faire un truc là-bas. Quoi? Man, là, je suis en tenue moulant. Je crois que je vais perdre contre toi, quoi. Viens. Ah, tu veux qu'on te batte? Si on se la met et que tu perds alors que je suis en tenue moulant, ça veut dire que tu vois, le jour où tu vas demander un coach sportif, le jour où t'as. Ta gueule. Et wesh. Ok, c'est parti, enchaînement. Tac, 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 tac. Aïe. Tac, tac. Ouais, yo, Audi. J'arrive tout de suite. Juste, il voulait se battre. Il m'a dit, oh, tu fais chauffer, viens dans la piscine, man. Oh, je vais te faire... Mais sérieux, tu fais faire les fesses par un prof de PS. Et 1, et 2, et 3, et 4, et on y va. Et du coup, pour des techniques, bonjour à tous, on se retrouve pour une technique de Krav Maga. Alors mon cobaye, c'est lui là, je vais l'exploser à la bagarre. Voilà, tu sais ce que tu devrais faire, Cody. Ouais, dis-moi, man.
profiter pour faire un tuto comment courir le plus rapidement au Isco Bingo pour changer. Ok, bah vas-y, je vais faire ça, man, y'a pas de galère, c'est parti. Vas-y. Oh, je suis mort, frère. C'est parti, les moches. Vas-y, on va aller chasser du bagos. Putain, j'ai pas de balles, fais chier. Y'en a dans la chop, y'en a dans le coffre, dans le coffre. Monte le sang dans la chop. Ça me donne des sensations. Envoyez-moi un peu de bastos, les man. Prends dans le coffre. Va dans le coffre. Ouais, qu'est-ce que tu klaxonnes? Qu'est-ce qu'il veut, cet enculé? Oh. Ah, mais c'est un broker. Ah, ouais, c'est collab. Yo, man. Ouais. Oubliez pas de prendre à manger. Big up. Qu'est-ce que tu me racontes? Big up. Quoi? Comment tu vas, moral? C'est qu'est-ce t'enculé, man? C'est quoi, enfin, man? C'est Booba? Ouais, moral, c'est B2O. Mais là, non. Je suis en train de rechercher là où ni Mohid, Casablanca, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais non, Booba, le vrai? Ah, moral, c'est B2O. Le vrai Booba? Ouais, la tête d'homme, je te crois pas, man. Bah, écoute, moral, moi, ce que je veux, c'est que là, je veux savoir s'il y a des rappeurs chez vous qui sont chauds pour faire des petits soirs avec moi. Là. Ouais, bah ouais, man, on a des rappeurs, mais je te crois pas que c'est Booba, man. Enlève ta casquette, je vais te dire, c'est Booba. Bah écoute moi, je suis à la recherche de Laouné Mohid, j'ai pas le temps. Mais man, la fin c'est en 2012, ça y est, il est finito, ouais. il est à LA. Oh, c'est Booba. Oh putain. Oh man, viens, on fait une photo. Oh man, c'est carrément incroyable, c'est carrément gang. Vas-y, prends la photo. Attends, vas-y, fais. Dis, ouais, la mère à Cody. Ah non, mais c'est moi. Mais non, mais c'est ma daronne. Non, dis pas ça. Oh, espèce d'enculé. Eh, vive la fine, espèce d'enculé de Booba. Écoute-moi bien, quartier, pas quartier, je vais te niquer. Ah, vas-y. Eh, Booba. T'as vu, Booba, je te respecte pour ta carrière. Mais je suis un family. Ça veut dire, je suis calibré, moi. Je suis calibré, fais gaffe à toi, Booba. Moi aussi, dans le son A4, je le dis de toute façon. Eh, c'est comment là? Tu peux nous faire écouter un son ou quoi? Bah moi je peux te faire écouter tous les sons que tu veux. Ouais mais là le problème c'est qu'on doit... Vas-y viens. Eh les man, moi j'ai mon premier client, à plus. En fait j'explique qu'on doit trouver des clients et tout, tu sais, pour faire vendre un peu, pour partir un peu le bise. Vous dites Cody il a trouvé un client, il est devant le bat. Eh faudra tu me prends 2 grammes et puis voilà c'est bon. Carré man, vas-y, un petit 2G, y'a pas de galère. Vas-y. Ouais les man, moi j'ai... C'est bon les man, moi je suis avec mon client là. Hop, et c'est pas n'importe quel client. Client premium, c'est B2O en personne les man. Booba. Comment ça, bah, ouais, Booba, tu veux voir Booba? Viens, piscine, man. Je vais vous le présenter. Ramène pas quoi? Des œufs. La voiture, je l'ai volée. Bah, non. Je sais pas là à qui, il y avait deux. Ah, mais attends, t'as Booba de base, t'es pas blindé, toi? Écoute-moi, j'ai les mecs en France. Et du coup, j'essaie de me refaire aux États-Unis. Non, ouais, je m'en Lamborghini, il a pris 4 euros d'an. Ouais, yo, il est là, c'est ton enfoiré de Booba. Vas-y, viens dans la piscine, man. Enfin, on va pas te mettre dedans. On se mourra bien ou quoi? Yo, ben des œufs, ça baigne. Incroyable. C'est bidosu. Eh, man, tu penses, y'a moyen de nous faire écouter un petit son ou pas? Parce que tu vois, tu vois, mon gang, il pense que t'es. Tu vois, il pense que t'es finito. Est-ce que tu veux que je te refasse un son? Putain, c'est vraiment bas des œufs. Bah, ouais. C'est bas des œufs. Un vrai son de Booba, tu vois. Sur Wish, c'est un bon. Ah, Booba, t'as vu la dernière fois quand t'étais à l'aéroport, tu vois, à Evry? Eh ben, moi je trouve que tu t'es bien battu en vrai, tu as bien niqué sa mère. Une bouteille sur le crâne, fils de pute. Incroyable. Des bagarres, écoute pas. Hey, putain, t'es chaud, man. Hey, Badoza. Écoute-moi bien, moi, c'est Badozo. Tu veux une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? Au revoir, je veux une bouteille de Jack. Eh, ça c'est à l'ancienne, hein. Puis y'a que les anciens qui pourront se rappeler de ce Eh, Booba, tu lui fais quoi là à la Wiss, à la fouine, tu lui fais quoi là s'il est devant toi? Moi je l'attrape, je tords son cou comme quand. Mon frère, il a clairement fait du crossfit, hein. Crossfit un peu dégénéré, il est trop heureux. Il a pris de la masse, le bonhomme. Tu vas faire comment? Écoute, parce que je vais pas te mentir que on est d'accord que techniquement tu peux le démonter, tu vois. Mais oh, B2O, oublie pas que. Frérot, t'es mollet, c'est la Zermi, c'est le Kenya, mon frère. Écoute-moi bien, moi, je te mets à la piscine. Tu perds si, on a la piscine. Tu vas me mettre un low kick ici, chez moi. Il va nous faire un son exclu, Booba. Booba, eh, parle pas, eh, Booba, tu sais quoi, montre-leur ton talent. Parle pas, moi je crois en toi, je sais, tu vas les choquer. Bah, tu nous fais un concert en exclu. Coupe ta musique. Ouais, coupe. Ok, calme. Frangine. Vas-y, eh, les man.
Les man, si vous voulez voir concert privé de Booba piscine, c'est maintenant les man. Vas-y, hey, Booba, là, j'ai ramené, je t'ai mis la lumière sur toi, Booba. Même s'il y avait déjà de la lumière. Tout le gang te regarde. C'est maintenant ou jamais, Boubou. Vas-y, Pitbull, man. Pitbull. Mais parle un peu plus fort, man. Parle un peu plus fort, c'est possible. Oh, voilà. Vas-y, les man. Tu pas de danse. Ok. Ouais, dédicace aux familles. Chiche! Dédicace à, au gang vert, parce que je veux dire au pas. Il y a raté. Les gars, on est avec Booba. Écoute bien. Ça, c'est pour la FC TikTok, c'est pour vous. Allez, mon frère, envoie tout. Venu extraire Excalibur de son oncle, m'en fait 45. J'ai des teams avec une plume, tout commence dans la cour de récréation. Mal à la barre, je suis un sale noir, ma génération. Je pense seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sang, après à me tenir. Mais man, différencier l'homme et le chien, on m'a dit, tu as la race, dégage. Mais non, mais non, mais c'est les man qui chantent, je te jure. Dans les parages, je venais, j'ai grandi, je m'en silence. Crucifié sans carver sur l'éternel d'une étoile filante. Dans ce cas, putain, j'ai massacré. Les derniers seront les vainqueurs. Mes rimes te touchent en plein cœur, en plein sternum. La vie d'un homme, la mort d'un enfant. Du sang royal dans les veines, premier en sport et en chant. Bras levés, tête haute, j'ai avec, je me rends au combat. Okay, c'est bon. Je vais pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on scène sous nos cagoules. Incroyable. On est pas être un pitbull quand la vie est une chaîne. Bras levés, tête haute, j'ai avec, je me rends au combat. Je vais pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on sait une sous nos cagoules. Comme on est pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Mon premier spliff, ma première bouteille, la richesse est dans nos cœurs. Y'a un cul, moi je veux de l'oseille. Un cul pour nous tenir. Attendez, coupe là. Écoute, écoute. Attends. Mais non. Mais non. Eh, Booba, je te rappelle, prends mon num. Envoie-moi un message. Et vous êtes avec qui? Vous êtes avec lui? Oh, enculé! Quoi? Ok, on arrive. Envoie la pause. Vite, Yasuo! Eh, Booba, espèce d'enculé, je vais te retrouver. Eh, je te prends mon hume. Vite, Dez, buzz, bouge! T'inquiète. Mais putain! Il veut pas être sûr que tu vas pétarder normal. Ils veulent pas parler. Vite! Ils veulent pas parler. Attends, mon frère. Il a le OG entre les mains. Tu attends quoi, j'arrive. Ouais, allez, vas-y, fonce, dans le coffre. Ils veulent pas parler. Oh. Hey, tu attends que j'arrive, c'est quoi le bordel? Il a un putain de Gucci, il a notre Gucci. Oh. Radio, personne t'entend. La vie ta mère. Il y a toi à la radio. Il y a un radio ici, là. Ouais. La vie ta mère. Ok, donc écoutez-moi bien, c'est pas compliqué. Vous savez ce qui se passe? Il y a deux boys à vous qui nous ont retrouvés. On a votre putain d'Gucci, là. Avec un gun sur la tempe. Donc vous allez tous venir, bah je suppose qu'ils vous ont déjà envoyé la position. À l'endroit, on va te parler. On arrive, man. Il va tuer. Il va quand même pas le canner, frère. Non, je ferai pas le con pour l'instant. Les man, c'est la merde. Les man, c'est la merde. Ce fils de pute, il a mis la main sur l'OG, mais c'est pas normal. Mon frère, s'il te plaît, laisse-moi me concentrer. Parce que là, vraiment, c'est... Ouais, laisse-moi me concentrer vite. Cody, s'il te plaît, fais pas le con, d'accord? Eh, hey, man, je te jure, je suis tout. J'ai jamais été aussi sérieux de ma vie, man. Il a décidé de faire du putain de scooter. Mais t'as vu, c'est toi qui fais des blagues à ce moment, comme ça. Il me dit ta gueule, se focus, frère. On est déjà en route. Il me dit ta gueule, focus, et après, il fait une vanne sur un scooter, frère. Je suis pas le chimiste, si je vais, je te plombe, toi. Les man, allez, tranquille. Oh, ça sert à rien de s'énerver pour l'instant. La petite merde de Jungalou, ta gueule là, c'est une balle, t'as compris ou pas? Écoutez, je veux plus vous entendre parler, radio. Rendez-vous, alors. S'il te plaît, laisse-moi parler deux secondes. Tout le monde va garder son calme. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Toi, tu vas garder ton calme. Menhir, tu bouges d'un petit doigt, je t'arrache ta tête. Et tous les autres, c'est pareil. Maintenant que les radios, on arrive sur place et on va discuter. Voilà, dinguerie. On est à 400 mètres. Il est là, frère. Ah, man, c'était à gauche, t'as pas vu? Non. Non, recule, ouais, il y avait faut les prisons. Faut pas descendre. Recule. Recule.
Garde-les là et va tout au bout du ponton, man. Garde-toi là. La dinguerie, frère. Oh, vous pensez qu'il va se faire tuer l'audience, là? Non, c'est pas possible. Durex bandana? Ouais, Durex banane. Il nous l'a dit. Oh, mais non. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez tous poser vos guns avant. Swo, déconne pas, man. Je vais venir les récupérer. Swo. Et vous, il va venir tout récupérer. Et les mecs derrière, là, qu'ils essayent pas de faire des points. Écoute. Mais non, fils, écoute. Là, dans la position où t'es, ok, on pose nos flingues, on fait un pas vers toi. Tu fais pas de conneries et on discute, c'est bon. Il y aura aucune connerie si vous posez tous vos flingues. Fais pas le con. Espèce de merde, va. Eh, t'es vraiment... Eh, vas-y. Oh, ça me dégoûte. Bon. Je t'ai dit, t'as pas intérêt à te louper. Bon. T'as pas intérêt, je te le dis. Arrêtez, écoute, putain de menace. Vous m'énervez quelque chose, là. Let's gang les refs. Ah, je peux pas te le prendre. Là. Man, arrête de dire Family Gang, man, respect. C'est pas Family Gang, man. Tout le monde son gang par terre. Man, c'est pas Family Gang, t'es un putain de traite, man, y'a pas à dire ça. Là, parle pas, sale roue. Pose-le par terre. Attends. Yo, vous deux, vous comprenez pas ce que je vous dis. Tiens, mon Glock. Et... Ouais. Et lui, ah, je les vois pas. Hein. Tiens. Vas-y. Ouais, hop. Essine ton arme, s'il te plaît. Reculez, tranquille. Attends, mais ils les prennent vraiment là ? Excité. Hop, merci. Sad, s'il te plaît, ton arme. Ah, ils prennent vraiment les gars ? Reviens derrière, frère. Merci. Ouais, Cartier, s'il te plaît. Viens. Le menhir, non, c'est quoi maintenant ? Ah, Sully, ouais. Donne-moi ton arme, s'il te plaît. Pute. Ouais. Ok. Oh là là, je suis choqué, frère. À faire le kite là, à me rejoindre, je sais pas d'où là. Oh la la! Oh la la, frère! Te loupe pas, parce que moi la balle dans la tête, je te la mets quand il faut. Je te loupe vraiment pas. Ça, est-ce qu'on peut discuter maintenant? Ouais. Bien sûr. Bon. Approchez-vous quand même. On va s'approcher, t'inquiète. Ouais, allez, tu peux m'expliquer c'est quoi ton projet? Ouais, deux petites secondes, moi. Petite Big G. Je suis choqué, frère. Ça, là, je suis sur le cul, frère. Garde, Gamingo. Ouais, mais RP parlant, on a posé des guns. Ouais. Excuse-moi, Big D, excuse-moi. Pas. Ouais. Donc, Big D. Ah, c'est pas possible. Donc, Big D, comme je te disais, si on est tous là réunis ce soir, c'est pas pour rien. Ouais. Maintenant, je vais dire un petit peu tout ce que j'ai à dire. Popcorn, les gars, s'il vous plaît. Profitons de cette masterclass. Logi, ici présent, a voulu me buter. Vous en êtes tous témoins. Man, ouais. Tu sais très bien, c'est pour le gang, man. C'est pas personnel, tu pour le savais. Gang. Vas-y, pour le gang, dis-moi, y'a quoi à me reprocher? Dis-le-moi tout de suite. Mais man, il te l'a déjà dit dans la piscine. Parce que je suis discret. Regarde si je suis discret là, regarde là. Écoute, je suis discret. Man. Tu crois que je suis discret là? Écoute. Je comprends. D'accord? C'est moi qui vais parler maintenant avec toi. Je comprends tout à fait que tu sois énervé. D'accord? Le OG, il a eu des. Réaction, disons, disproportionnée. Mm-hmm. Oh, Valken. Valken, il doit avoir les démons, frère. Approche-toi, mais frère, on va assumer avec lui. Comment on va assumer avec lui? Et vous allez assumer avec moi? Bon, écoute. Là, moi, je suis prêt à parier que si tu poses ton flingue, il est prêt à te promettre qu'il va pas te buter. OG, il va pas le buter s'il pose son flingue, soit. Ah bah il a bien vu que depuis qu'il a déserté, oh, c'est trop drôle la blague. À part le premier jour où il s'est barré. Oh, c'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Je peux demander à n'importe quel bac, hein. Je t'ai pas cherché à... Wow, par contre, là il vient clairement de me baiser, hein. Là ça sera plus possible, boy. Soit il se barre avec toi, vous faites votre vie. Par contre, comment ils ont chopé l'Oji tout seul? Il était avec Swo, frère. Swo, il est monté avec dans sa voiture, il a braqué l'Oji, il l'a ramené à Wall. Non, c'est Wall, pardon. Yannick Noah là. Tu penses que là, on peut se barrer là? Les mannes. Ces troupes devant nous. Écoute,
Vous avez tous nos flingues. Vous les jetez là-bas au bord du pont, vous prenez une chope, vous barrez. Ouais, la personne qui va rien vous faire. Avant tout ça, moi, j'ai un petit truc à dire et ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Je sais pas ce que vous pensez de tout ce qui se passe au Oud en ce moment. Moi, je vous le dis clairement, je suis pas d'accord. Il y a eu énormément de meurtres. Parce que là, on parle de meurtres, clairement. Pour rien. Le OG. Je suis désolé de te dire ça, Jayden. J'avais rien contre toi, la blague, j'aurais tout fait pour toi. Mais t'as pas les épaules pour être OG. Je peux te donner des exemples. Je peux tous vous donner des exemples. Vous regardez tout le temps, n'importe quel rendez-vous. OG, jamais il parle. Contre les autres gangs, on a Big D, boy. C'est Big D. C'est Deux. Big D, Deux. Les piscines. Pour les décisions que tu prends. C'est qui? Big D, Deux. Non, toujours les mêmes. C'est pas boy, c'est qu'on discute avant. C'est moi qui donne les décisions et après, chacun parle. C'est Big D, tu le sais très bien que c'est un point fort de l'avoir dans nos rangs. C'est normal que c'est lui qui parle au rendez-vous, boy. C'est la personne qui va négocier. C'est normal que toi, tu te caches pendant que lui, il parle. Là, je te parle de la soirée avec les Aztecas. Oh là là, frère. Tu t'en souviens de celle-là? Quel bouffier. J'étais à côté de lui, boy. Hein. Quand t'étais derrière la petite voiture, en train de te cacher pendant que lui, il risquait sa peau. D'accord, Nico. On va voir. Non, pas du tout, boy. Le Oud va pas bien. Clairement. Clairement et clairement. Écoute, man. Le Oud ne va pas bien. Effectivement. Et là, on vient de franchir un cap où la marche arrière n'est plus possible. Bien sûr, si je suis là, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que tu fais, Bob? Qu'est-ce que tu fais, je suis en train de viser Suo. Ah ouais? Mon frère, calme-toi, calme-toi. Calmez-vous, les boys, calmez-vous. Eh, les mains, ça sert à stop. On va attendre. Tranquille. De nous expliquer quel est le. Laisse-le développer un peu ce qu'il est en train de dire là. Vas-y, continue à parler. Man, boum, tranquille, laisse-le finir. Fermez-la. Putain de merde, je suis en doucement, t'es putain. C'est ton bras droit qui parle. C'est ton bras droit qui parle. Putain de merde. T'as l'ordre de ton OG, de ton bras droit. Comment je saute? Tire pas, baisse ton arme. Plaquez-le, les mains, je sais pas. Putain. Je suis trop une merde, je suis pas plaqué, frère. Je sais ce qui va pas. J'aurais dû le plaquer, là. Mais. Putain, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Écoute, moi je vais tous vous poser une question simple et efficace. Oui, c'est trop fort, wesh. Est-ce que vous êtes pour le OG ou pour le Oud? Personnellement, je suis pour le ghetto et je l'ai toujours été. Family is for life, avant tout, man. Pour le hood, man, family is for life. Family is for life. Ok, tout le monde a à peu près le même discours, j'ai l'impression. Écoute, je vais t'expliquer deux choses. Moi, je mets toujours le ghetto en premier. Le OG, quelque part, il représente le ghetto. Alors, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, à l'OG. Mais. Deux. En vrai de vrai. Là ce que tu dis, déjà ça va pas dans la même phrase. Ok, c'est le OG, il représente, je suis d'accord. Mais quand il fait de la merde, ça veut dire que tu pisses sur le Oud. Parce que tu cautionnes ce qu'il fait. Man, hey man, je peux te dire un mot ou pas? Attends, d'abord j'aimerais poser une question à l'OG. OG? Ouais. Ce soir là, quand tu m'as demandé. Vous deux là, les man, nous laissez pas devant comme des cons là, restez pas en arrière. Ce soir là, quand tu m'as demandé de tuer Moon, de prendre ma responsabilité. Boy. Faut qu'on fasse front tous ensemble, les man. Est-ce que tu continues d'y penser? Clairement, boy, j'y pense tout le temps, je sais très bien que t'aimais bien Moon, boy. Tu sais qu'elle me hante tous les jours, Oji. Clairement. Europe Moon. J'ai une deuxième question, Oji. Ouais, dis-moi. Vu que c'était ta décision et pas la mienne et que je t'avais fait savoir que je voulais pas tuer Moon, pourquoi est-ce que t'as pas pris la responsabilité de la buter toi-même au lieu de me mettre du sang sur les mains? T'es pas voir ce que t'avais dans le ventre, boy. Je venais de monter en grade. J'étais déjà gradé, putain, mais qu'est-ce que tu me racontes, putain de bordel de merde? Mais attendez, mais les gars, Curtis. Mais attendez, les gars, mais c'est Curtis qui est en train de se m'avait fait passer le lieutenant, pas toi, Jayden. C'est j'ai Curtis qui l'a fait. Boobs, il en veut au OG, frère. Là, j'ai les idées chamboulées. Parce qu'en soi,
La colère de Swo aujourd'hui, je peux la comprendre. Yo, Boobs, oublie pas la hood, man. Écoute, et justement, si c'était pour le hood, tout ça. Si, c'est ça, là. Alors, yo, man, je suis complètement perdu. Alors, oui, il y a un peu de haine, de vengeance, on va pas se mentir. Mais clairement, il n'y a pas que ça. Si je fais ça, clairement, c'est pour le hood. Boobs, réveille-toi. Parce que moi, j'aime le hood, j'ai toujours vécu pour le hood. Et Jayden, je suis désolé. Et t'as pas les épaules. Clairement pas. Pour ma part. Soit. Ouais. J'ai une question de plus. Dis-moi. Quand tu t'es fait la malle. Ouais. T'aurais pu. Ne serait-ce que te barrer. Changer de vie. Te barrer de Los Santos. Te tirer, je sais pas. En Californie. Dans le Connecticut. Ou dans tout autre état des États-Unis d'Amérique. Pourquoi est-ce que t'es revenu pour le buter exactement? Comme je t'ai dit. T'es prêt? En gros, je vais t'expliquer. C'est pas compliqué. Il y a une petite part de vengeance. On va pas se mentir. Il a voulu me buter, voilà. Mais ça, c'est qu'il y a moins qui bluffe. Ouais. C'est 20%. C'est peut-être une stratégie. Ouais. Clairement, c'est pour mon hood. Parce que mon hood, je l'aime. Je l'ai dans le cœur. Et je l'aurai à jamais dans le cœur. Hey man, j'ai merdé moi aussi dans le ghetto. J'ai merdé moi aussi. Putain de bordel de merde, c'est moi qui ai donné. Qu'il a fait, putain d'œuf. Écoute, et tu le sais très bien. Écoute, c'est moi qui ai demandé à Sad d'appuyer sur la gâchette, par exemple, sur Moon. Pourquoi je te suis pas là-haut, à la place du OG? Pourquoi? Parce que t'as demandé d'appuyer sur la gâchette. Mais de qui venait l'ordre? Tu viens de le dire. Et de qui venait l'ordre? De me buter aussi? De Jayden. Pour, je précise. Oh là là. La seule raison qu'on m'a dit, je suis une plante verte. Mais j'ai l'air d'une putain de plante verte, là. Non, man, putain. J'ai bougé la tête. J'ai réussi à esquiver ma propre mort. Avec une chance. Je sais pas comment j'ai fait. Eh, Boobs, c'est un boy. Tu ne montres pas, justement. T'inquiète. Viens, laisse Big D. Alors, parce qu'on est discret. Tu sens vraiment. On mérite de mourir. C'est ce que tu me dis. Te laisse pas influencer. Viens, man. Vas-y, avance-toi, prends le relais, man. La discrétion, c'est pas la mort. Eh, yo, Boobs, oublie pas, y'a ta sista, y'a tout le monde. Y'a tout le monde, man, c'est le hood, oublie pas. Cody, c'est des choses qui te dépassent, c'est des choses qui me dépassent, c'est des choses qui dépassent l'entendement, ce qui sont en train de se passer. D'accord? C'est pas une question de... Ouais. Swo. Donc voilà, moi les boys, j'avais vraiment à vous dire, c'est pas spécialement contre Jayden. Il a pas les épaules pour être OG, il a fait énormément de mauvais choix. De la merde, clairement, de la merde. Et vous en avez des exemples tous, vous savez très bien. Man, tu proposes quoi? Tu proposes quoi, man? On t'écoute. Attends. Iman, c'est quoi? Il propose quoi, man? Parle-moi. Frère, qui dit c'est quoi son plan? Tranquille. Mon plan? Ouais. Y a pas spécialement de plan. Mon plan, ça va être quoi? C'est que là, j'essaye de faire ouvrir les yeux à tout le monde. Chacun en a la parole et la liberté de dire ce qu'il a à dire, tout simplement. N'était pas le cas pour avant. Et man, si Jayden meurt, on est mort, les maintenant. On peut pas vivre sans G. Non, il est pas là. Je sais pas. Merde. D'accord, après, pas besoin de parler de cas. Bon. On peut très bien vivre sans G. Écoute, Swo. Putain, tu veux qu'on en parle? Après tout ce que j'ai fait pour toi, Swo. Tu veux en parler? Swo. Premier jour au hood, il est dans ta voiture. Deuxième jour, il a un Tech 9. Troisième jour, il passe représentatif. Et bien sûr. Et du coup, quoi, attends, tu te mets d'accord. Ok, attends. C'est de la jalousie. Swo, stop. Swo, s'il te plaît, écoute-moi. Il reproche à Dave d'être passé sur le lieutenant. Dis-moi, Dave, il a fait quoi pour le hood? Dis-moi, parce qu'il a jamais envie de prendre conscience. D'accord? Oui ou non? C'est moi qui vendais ces putains de pochons. Attends, laisse le OG parler. OG, vas-y. Non, vas-y, dis-lui, Dave, il a fait quoi pour le hood boy? C'est vrai, Swo. Tu sais ce qu'il a fait, Dave, pour le haut. Tu nous poses la question sur ce qu'il n'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de nous... Rien fait, justement. Être un leader convoi. Voilà, un petit leader. Écoute. Non, ça, il fait moi, écoute, le truc, tu sais quoi, regarde, mon frère. Je suis pas armé. Sur Discord, il n'y a que Dave qui parle. Je vais monter délicatement les escaliers et prendre la parole à côté de toi pour qu'on puisse regarder dehors. Okay. Mais très délicatement, Big D. Yo, Big D, fais gaffe à toi, man. Fais attention. T'inquiète pas. Il a notre OG, il sait qu'on va pas merder. J'ai la haine.
je vous le dis. Eh So, man, nous on sient, t'en veux pas, man. Mais juste essaye de comprendre. Arrête. Man, essaye de nous comprendre. T'es en train de détruire le hood, man. Stop. Faut dire, laisse Baby parler. Putain. Ok, bon, tu vois, calme-toi. Je suis là, d'accord. Oh, mais la scène, c'est bien. Tu veux que je te montre pourquoi vous comptez tous à mes yeux, y compris toi, So. Tu veux que je te montre la preuve. Regarde bien. Deux. Avance-toi, mon frère. Deux. C'est un mec qui a un gros cœur. Il serait prêt à donner sa vie pour le hood. Il serait prêt à donner sa vie pour la chose pour laquelle il a signé. Il exécute. Le prochain qui j'entends la sonnerie de téléphone, je lui baisse sa mère, c'est bon. Bon, du coup, je continue. Nokia G35. Il a toujours tout donné. Il serait prêt à vendre n'importe qui, même sa propre vie, pour pouvoir la remplacer pour une de la nôtre. Ok, deux. Putain, mais il va le canner ou pas ça? Vous avez fait une prédit? Car, avance. Arrête la ligne, à tout moment, ça GF. Avance, Car. Toi, il est vrai que tu restes aussi discret, hein, finalement, un peu comme tout le monde. Mais. Ouais, je suis d'accord. Une fois que la nuit est tombée, tu deviens le bandit numéro 1 recherché. Putain, mais Big D, il est trop fort lui aussi, frère. On a tous notre. Mais il y a que des gars dans ce gang. Et toi, tu nous en ramènes même quand il est plus possible de trouver des clients dans la rue par tes talents de. Comment dire ça? De fourbe, des arnaques, des supérettes, etc. Tu vois? T'es un bon. Recule. Aïsin. Ouais. Approche-toi. Toi, mon gars, depuis le début, t'as toujours été auprès de moi pour m'accompagner à ma recherche du client. Tu as toujours soutenu. Il se passe quoi là? Il est en train de le convaincre. Frère, tu vois. Tu te. On va dire que. Il est en train de travailler mentalement là. De grand frère, tu vois. Le grand frère ne pense jamais à son bonheur personnel, mais à celui de sa famille. Et c'est ce que tu fais. Peu des gods, puis à Cody. Ouais, d'accord. Cody, le roi des gods. Recule. Cody, avance-toi. Yo, man. Toi, Cody, incroyable. Franchement, je vais pas te mentir que j'ai bien cru que tu resterais même pas vivant plus de 48 heures dans ce hood. Mais finalement, on va dire que t'es un peu la noisette de lait que tu déposes sur la tasse de café quand tu sens qu'il est trop corsé. Ah ouais. T'es toujours là pour détendre l'atmosphère. La preuve, regarde, tu vois, So. Encore une fois, ce soir, il a pas été agressif avec toi. Il a juste voulu détendre l'atmosphère. Il pense pas forcément au Koji, mais il pense à toi aussi. Il a demandé à Deus de baisser son arme pour pas que tu prennes une balle dans la tête. C'est un petit frère, mais aussi un petit frère protecteur, finalement. Bien sûr. Ok. Trop stylé. Sad. Trop stylé, frère. Oh, la scène, c'est une masterclass. Petite Sad. Autant te dire que la putain, première chose mais tous les présidents de la République, bordel ta route. J'avais tout simplement envie de te... Je me disais peut-être qu'un jour, si je lui coupe sa langue, elle arrêtera d'étaler sa bave sur moi. J'ai l'impression, à chaque fois que je venais, te voir, j'avais l'impression d'acheter un pot de peinture sur le roi Merlin et je le renversais sur ma joue. Mais comment il fait pour avoir autant d'aspi? Et finalement, je me suis attaché à tout ça. Parce que toi, tu es un peu comme la sœur protectrice, la sage. Celle qui sait parler quand il faut parler. Mais au final, tu n'es pas qu'une sœur, tu es aussi un frère. Parce que tu n'as jamais reculé devant rien. Même pour supprimer la personne à qui tu tenais le plus. Oh, mais il est trop fort. Venir. Avance-toi. Putain, il est trop fort, man. Vive Big. Venir. Toi. T'as été trop charismatique. T'as toujours gardé ton sang-froid. Encore une fois, tu nous l'as prouvé ce soir. T'as réussi à intercepter peut-être qui sauvera la vie du Audi ce soir. Et grâce à ça, on est en train de discuter et pour l'instant, il n'y a pas eu de conneries qui ont été faites. Okay. Je répète de retour sur la radio, quelqu'un peut venir me chercher à Bowling Ball. Donc. Donc du coup, je te remercie, désolé, j'étais un peu perturbé. Le frérot là-bas. Scar, va le chercher rapidement. Parlez plus en radio. Redonne-moi ton nom, parce qu'il faut que tout le monde l'entende. Dixon. Dixon. Vous voyez, il est capable encore de nous dire qui il est, parce qu'il n'oublie pas d'où il vient.
Il connaît juste pas son blaze. Oh, il est trop fort. Il connaissait juste pas son blaze, il a réussi à caler une phrase de fou. Oh, Shima. Voilà. Toi, tu seras le bras armé quand on en aura besoin et tu bégayeras pas. Il connaît toi, même pas son blaze. Merci, Big Dieu. Man, il est trop fort, il connaissait même pas son blaze. T'as mon frère, range ton putain de téléphone. Tu veux qu'on meure ou quoi? Il est prêt à faire deux dingueries là. Ah ouais, moi, vu que vous êtes un peu con, parce que j'ai l'impression que vous voulez clairement que nos Jikan. Vous voulez quoi? Qu'on vous ravasse vos téléphones ou vous allez garder les téléphones dans la poche pour éviter d'emmerder ce mec qui a envie clairement de nous faire face ce soir? C'est bon les man, y'a pas de galère. Y'a pas de galère. Oji. Wool. Va prendre le téléphone, ouais, ouais. Ménière là. On va voir ce qu'il a fait. Ouais. J'attends. Oh ouais, attends. Ménière, tu vas donner ton téléphone. Parce que... on sait jamais. Ça peut aller vite avec toi. Vas-y, hop, hop. Voilà. Attention à ce que tu fais. C'est bon, bon. Tu peux reprendre. On t'écoute, Big G, vas-y. Ok. Aïe, 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 aïe. Dire que j'aurais du day off. Oji. Ouais. C'est ce que tu représentes pour moi. Ouais, clairement, Big G. Il a Tac 9, la vie de ta mère. J'ai toujours été à tes côtés. Ouais. Et tu m'as toujours. Et confiance. Je veux dire que si je clairement, t'es l'homme en lequel j'ai plus confiance, man. Ouais, ouais, t'inquiète. Vraiment. Juste une petite question, dis-je. Moi, je te. Là, c'est pour que Swap puisse comprendre, tu vois. Swap, il me fait confiance, tu vois. Bien sûr. Il me fait confiance. Bon, du coup, là, ça tire ou si alors, pourquoi, Audi? What? Pourquoi tu m'as pas écouté quand je t'ai dit qu'il fallait pas le buter? Regarde où on en est, bordel de merde. Mais non. Je sais bien, bah, tu m'en as parlé, mais je voulais en faire qu'à ma tête. Et du coup, c'est quoi la finalité là? Ouais. T'as dit que cet acte aurait pu avoir de graves conséquences, putain. Ça, c'est Big Deal avec eux, on est mort. Hein. Il y a une phrase que je dis souvent, et je te l'ai répété plusieurs fois, Audi. Mieux vaut convaincre que contraindre. Mieux vaut convaincre. C'est ce qui s'est passé avec les BMF et nous. Et t'as vu quelle a été notre réaction face aux BMF? Les gars, j'ai une question. Vous pouvez répondre sur YouTube aussi. Hein. On a fait la même erreur, Audi, je crois. Enfin, sur ce coup, si tu as fait la même erreur. Le Audi se sépare de Big G et Deuz. SWO. Vous êtes FC Audi ou FC Big G, Deuz et SWO? Je vais baisser mes bras et tu vas rien me faire, SWO. Parce que je ne suis pas armé. Ok? Si Can le Audi, on fait quoi, putain, mais... Oh là, non, je là, te ferai dans rien. Ma tête, c'est le bordel. Je veux que je fasse quoi? Si on le canne, on fait quoi? Si on le canne, du coup, je wipe. S'il se fait canner. J'aimerais savoir une chose. Putain. Oji. Ouais. Ce choix, il est horrible. Tu vois tous les hommes que j'ai en face de moi, là. Clairement, boy. On est d'accord, les gars, que vous aussi, vous donnerez votre vie pour le Oji. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, non, wipe pas. Oui, non, mais genre, pas je wipe dans ce sens-là. T'es là et t'es en train un peu de nous expliquer ton point de vue. Mais dans le sens, je serais contre le gang, du coup. Ouais. C'est un bordel, le choix, il est horrible. Audi, on va écouter. Quand je parle de convaincre et de ne pas contraindre, ce soir, j'ai prouvé à tous les frères que je les connaissais le sondage, vous avez pas compris, les gars. Vous avez pas capté le sondage. Toi et moi, Audi. Mais je sais voir ce qu'il y a en mes frères. Et ce soir, je veux être sûr de quelque chose. Dis-moi, boy. Mes frères et sœurs, vous en bas. Ouais, Big G. Montez. Montez tous. Et passe, Wo. T'inquiète pas, de toute façon, je te dis. Je suis prêt. Reste. Oh, ça sent. Mais okay, je ne pas seul. Par contre, on n'attendrait pas le petit dernier qui devrait arriver il y a pas longtemps. Dans pas longtemps. Oh, je vais l'attendre tranquillement. Scar et Ben, vous êtes où?
Au moins, c'est une réunion de famille. On arrive là, on arrive. On est au niveau de la base militaire. De toute façon, t'as la radio, soit non? Ouais, ouais, j'ai la radio, bien sûr. Depuis le début, je l'ai, la radio. Elle était avec toi depuis le début, du coup, Wall? Soit. Pas depuis le début, mais très... Il a vite compris que son heure allait venir aussi, je pense. Très très vite. Tranquille, tranquille. Hmm? Tranquille, calme-toi. Non, je suis pas calme, là. Calme-toi, mon frère. Regarde, je suis calme. Ouais, mais calme. Pas moi. Pourquoi donc? On n'est pas armé, on est en face de toi, on discute. Ok, on s'est rapproché un tout petit peu, mais tu nous connais, on est très famille. Les mains, levez les mains. Mmh, bien sûr. On a toujours été dans la proximité. Mmh. Donc tranquille. Je le temps que les autres ils arrivent. Oh bah ok, personne qui lève les mains, putain, moi et mon charisme de merde aussi. Putain. T'inquiète pas. Arrête de bouger, Jayden, arrête de bouger, ça me stresse, arrête. Oui. Tranquille, il bouge pas. Tranquille, boy, détends-toi, il va rien se passer, comme je t'ai dit, il va rien faire. Il va rien faire, il est tranquille. C'est pas un suicidaire, il a une arme pointée sur la tête. Et on n'est pas des fils de pute qui avons envie de canner parce qu'on aura été la cause de la mort de notre G. Donc tranquille, y a pas de souci. Calme. C'est bon, je me calme. Voilà. Tranquillement. Je monte en haut. Lève tes mains, bouge pas. Lève tes mains. Ah oui, quand même. Hop, je te prends ton crâne d'arrêt. Ouais, le RP gang en interne, c'est le meilleur RP du monde. Écoute, soit. Je peux te prendre un truc à boire, vite fait. Deux. Tu fais tout ça pour le ghetto. Bien sûr. C'est ce que tu nous as répété. Bien sûr. Je le dis haut et fort. Je pense qu'hier, t'aurais pu me flinguer. T'en avais l'occasion. Oui. J'ai envie de te croire. J'ai envie de te faire confiance. Moi, ouais, tout ce que j'ai à vous dire, les boys. Et tu le sais, Deuce, hier j'aurais eu l'occasion, je veux buter personne de vous. Personne. Tout le monde est bon dans ce qu'il fait, tout le monde a sa place. Et c'est pas parce que, je sais pas, un exemple, il y a un Cody qui a un peu grande gueule, et je sais pas, un Dixon qui ouvre un peu moins, que tout de suite, quelqu'un doit mourir. Ok, écoute, soit... Pourquoi tu me règles moi? Est-ce que je suis quelqu'un de confiance? Pour moi, oui. Tu me fais confiance, Suo. Je te fais confiance et je te respecte. Tu me respectes et tu me fais confiance, Suo. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, tout le monde, écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, je veux que personne ne bouge d'un pouce. Est-ce que c'est bien compris? Man, tu vas faire quoi, tout le monde? Ta gueule, connard. Je veux... que personne ne bouge d'un pouce. Je me rapproche lentement, Suo. Très lentement, qu'est-ce que tu veux, Deus? Suo, j'ai qu'une parole. J'en ai qu'une. Je fais que me prendre des balles perdues depuis le début de la scène. Je vous le répète, les autres. Personne ne bouge d'un pouce. Suo, fais-moi confiance et lâche-le au G tout de suite. Je pense que je peux faire ça. Écoute, Man. Écoute, Suo, t'auras ma parole que personne ne va rien faire, Boy. Comme je te jure devant Dieu. Voilà, comme je t'ai dit, Boy, moi, ce que je t'avais reproché, je te l'ai dit. Comme je t'ai dit tout à l'heure, vous avez nos armes. Si tu veux barrer, toi et Wall, déposer les armes ou tu m'emmènes à l'otage jusqu'à la chop, tu me donnes les armes avant de partir et tu te barres. Je vous laisse partir. Vous prenez une chop, vous vous barrez. Y'a personne qui va rien faire. Bon. Écoute, c'est pas ça qui va se passer. Je comprends cette solution. C'est pas ça qui va se passer. Écoutez-moi. Mais c'est écoutez-moi, putain, c'est moi qui parle, s'il vous plaît. Ça va pas faire en sorte que le Oud aille mieux. Suo. Ouais. Je le jure devant Dieu, Suo. Que si tu m'accordes ta confiance maintenant, tu le regretteras pas. Je jure sur ma petite sœur, qui est derrière moi. Prout, ah merde, mais j'ai pas. Je jure sur ce que j'ai de plus cher au monde, ma dignité. Que tu ne le regretteras pas. Tu peux pas mettre sur le go, excellent. Lâche le OG. Donc tu veux quoi? Tu veux que je relâche le OG, c'est ça? C'est flipper la scène. Tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance, Suo? Là, je te fais confiance. C'est un truc. Tu veux qui que te je dépasse. Relâche le OG? Ouais. Je le jure devant Dieu qu'il t'arrivera rien. Je le jure.
Suo. D'accord. Est-ce que je te fais confiance? Putain. Personne ne bouge. Personne. Putain. Toddy, tu bouges pas. Toddy, tu bouges pas. Je sais plus quoi faire. Suzy, tu bouges pas. Personne ne bouge. Ah, man, on va tous lever les mains. Y a pas de galère. Tu peux nous faire confiance. Levez tous les mains. Tout le monde lève les mains. Tout le monde. Mais si j'ai réussi. Suo. Ok. Je te demande de me donner ta confiance. C'est incroyable. Tu le regretteras pas, Suo. Ouais. Doucement. What? Oui. C'est moi qui vais mettre fin à toutes ces conneries. J'en ai marre de faire couler du sang. Stop. Quoi? Tu racontes, man. Qu'est-ce que tu fais, Boobs? Deux. Écoute, bien. Menhir, debout. Bouge encore, t'es mort. Bon. Les gars. Je raconte. Boobs, arrête tes conneries, man. C'est Jayden. Calme-toi, boy. Qu'est-ce que tu racontes? Ok. Laisse-moi. Je peux parler ou pas, Deus? Je peux parler, Deus? Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Parle. Ok, très bien. C'était sûr, frère, ça fait une heure, il était dans le doute et tout. Après tout ce qui est en train de se passer, je comprends plus rien, bordel. Mais j'aimerais que ça soit clair entre nous tous, bordel. J'ai l'impression qu'il y a du ménage à faire à la maison. Tous ceux. Man, souhaite. Non, on peut pas, non, Big G. Tu peux pas nous demander de choisir ça, man. Laisse-moi finir. Qu'est-ce que raconte, boy? Tous ceux qui sont... Non. Avec le OG. Non. Baissez vos bras. Mais man, tu peux pas nous demander de faire ça, man. C'est impossible. Maintenant. Les deux frères Belair. Vous avez baissé les bras, vous êtes des frères. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous, les deux frères Belair. Les deux frères Belair? Mais attendez, moi je vais avec le Jayden, non? Audi. Man, moi pour moi, l'Audi c'est le hood, man. Je peux pas lâcher le Audi, sinon je lâche le hood. Ok, très bien. Pas de soucis. Le hood c'est nous, Audi. Mais je sais que c'est vous, les man, mais le hood c'est nous tous. Il le bute ou quoi? Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, bougez pas. Wall. S'il te plaît, Boobs. T'es où, mon Wall? Putain, les cinq gars qui sont derrière, Wall. Les cinq personnes qui ont encore les mains levées, passez derrière moi. Eh oui. Parti, tu fais quoi? Tu vas pas rejoindre ton frangin, toi? Wall. Bah dis-moi. C'est pas ce qu'il est en train de faire. T'es con ou quoi? Va rejoindre ton frangin. Fais déconne pas, toi. C'est que t'as leur flingue. Voilà où on en est aujourd'hui, Audi. C'est des connes ou quoi? Tu sais très bien que je donnerai tout pour toi, tu le sais, bordel de merde. Je sais bien, Brie. Alors pour moi, je vais te dire, je suis pas d'accord avec Big G. C'est pas à toi que je suis prêt à tout donner, OG. C'est au ghetto, man. On est d'accord. Mais regarde. Tes deux fidèles compagnons. Tes deux personnes en qui t'es censé avoir confiance, comme tu le dis. Pourquoi t'as pas eu confiance en nous, bordel? Je t'avais prévenu que ça partirait en cacahuète. Mais tu sais, convaincre. Non, je fais ça exprès, les gars. Ce soir, quand j'ai parlé sur ce petit ponton, j'ai convaincu. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais ce qui est le plus ironique dans cette histoire, c'est que ce sont les deux incompétents, les deux inutiles. Incroyable. Les deux plus inutiles qui étaient prêts, qui ont failli, qui ont un qui voulait, qui devait mourir, et un autre qui frôlait la mort. C'est les deux incompétents qui t'ont eu. Et tu sais pourquoi? Ouais. Parce que t'es trop en confiance, Audi. Bah ouais, boy, j'étais en confiance avec... avec Wall, boy. Et Jayden, frère, je suis choqué. Méfie-toi de l'eau qui dort. Je vais donner la parole à tous ceux qui sont passés derrière. Et dites-nous pourquoi. Vous souhaitez passer derrière moi. Man, s'il te plaît, Bichy, oubliez pas les man. Oubliez pas les man. Putain. Tu vas pouvoir parler, Cody. Zad, t'as un truc à dire? Clairement. Est-ce qu'on en est là, tous ensemble, et qu'on est dans la confidence, les boys?
On est d'accord que c'est Dos qui m'a demandé de presser la détente pour Moon, mais l'ordre Oji finalement vient de toi. Convaincre plutôt que contraindre. Pourquoi? Mais frère, il y a Big Deal est trop aujourd'hui, fort. J'aimerais avoir la réponse. Tu le reprochais quoi à Moon exactement? Valken, désolé, mais vas-y, il est trop fort, Big Deal. Elle n'était pas assez dans le hood avec nous. Frère, on peut pas gagner contre jamais. Lui, il est trop fort, je vais le rejoindre, et frère. Ne se démarquait pas assez. Je vais changer de camp, wesh. Elle était en train de se ressaisir, Moon. J'ai une question, Oji. Bah, dis-moi. Faux, Oji, de ce que tu viens de dire. Tout est faux. Sois honnête. Ah, est-ce que toi, tu te démarques? Je pense que tout le monde me connaît dans le ghetto, boy. Tout le monde te connaît dans le ghetto. Je parle avec tout le monde. Le moins, si je me suis pas démarqué. Hein. Attends, mais ils vont canner l'Oji. Pour écoute, toi, c'est ce que je me suis pas démarqué. Écoute, man. Pour moi, ouais. T'étais l'Oji. D'accord, peu importe ce qu'il arrive ce soir, tu ne le seras plus. Que ce soit toi ou moi qui crève, tu ne seras plus mon Oji. Hey, les man, arrêtez. J'ai fait mon choix. Oh putain. J'ai juste un truc à dire avant de laisser la parole aux autres. Tu sais, Oji, tu as répété une phrase il n'y a pas longtemps. Que tous les petits du Hood, même sauf ton bras droit et les lieutenants, et même toi. Ah oui, les gars, c'est l'honneur là. Tu vois ce que je veux dire. Ding, ding, que toi, tu n'es moi, pas le Cody, il est loyal. Va changer. Ok. Et Oji, est-ce que je t'ai pas prévenu il y a deux jours? C'est bon, j'en ai parlé avec mes gradés, boy. Hein. Ils allaient s'arranger, mais. Apparemment, on n'a pas. Je pense pas qu'ils vont me canner, Big G et Deuz. Je pense pas qu'ils vont me canner, les gars. Être un peu plus correct avec nous tous plutôt que nous prendre pour des merdes. Bah, au lieu de parler derrière le dos du OG, pourquoi vous êtes pendant c'est les piscines? Pourquoi c'est seul rassemblement? C'est un problème. Venez nous parler. Attends. Tu parles des faux culs là-bas qui parlent? Juste un truc. Tu penses que tu nous connais, toi? Tu viens d'arriver, mon gars. Qu'est-ce que tu oses lever la voix sur quelqu'un qui. Il y a plus mauvais que toi. Juste d'être aide, c'est tout ce que je vois. Ok. Ah, incroyable. Continue à parler. Mais est-ce que je l'avais pas dit ou pas, Dixon? Est-ce que je l'avais dit ou je me suis tué dans la piscine? Le soir où il s'est barré, est-ce que je l'ai dit ou pas? Juste oui ou non? Dis quoi? Ce qui s'est passé, c'est que ça me plaisait pas, que j'avais plus peur de me faire fumer pour mon propre quartier par un mec. Si, tu l'as dit, je sais très bien. Mais depuis voilà. Que Swo s'est barré, mais est-ce que je vous ai reproché quelque chose de mal? Il s'est barré il y a 48 heures, bordel de merde. Oui, sur les mots, G. Je sais bien, mais depuis, mais tu sais très bien, arrête, man. On en a discuté, tu sais très bien. Et depuis ce jour-là, est-ce que je vous ai reproché quelque chose ou est-ce que j'ai mis quelqu'un dans la piscine pour le punir ou quoi que ce soit? Est-ce que je vous ai reproché de moins vendre qu'avant? Sachant que vous le savez très bien, aujourd'hui, les gens qui ont vendu. Vous savez très bien qu'on n'a pas énormément vendu. Est-ce que je l'ai reproché à quelqu'un? Je l'ai reproché à personne. Oji, est-ce que tu peux donner... Excuse-moi. Est-ce que en deux jours, tu penses que ça va laver tout ce que tu as fait depuis le début? Est-ce que ça va laver? Je sais bien. À votre avis, ça tire? Ouais, je pense que chaque personne peut faire des erreurs, boy. Comme je vous l'ai toujours dit, s'il y a un truc à me dire, venez m'en parler. Ils vont le tuer, je pense. Je vais pas te mentir, Oji. Tout le monde peut faire des erreurs, comme tu viens de le signer. Il y a une mort RP, c'est sûr. Mais des erreurs qui coûtent la vie à des mecs de chez nous ou leur place en tant que gangster. Personne n'en fait deux aussi grosses de ces bourdes-là, Oji. Ou devrais-je dire, Jayden. Arrêtez les man, putain, je suis en train de rêver, c'est pas possible. Attendez, je peux parler? T'auras la j't'écoute. Parole. Sois pas pressé. J't'écoute. On est où là? Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez le buter, le remplacer et que vous allez revenir au hood comme ça et que personne va vous enculer? Exactement. Toi, je crois, mais toi, t'es qui? Toi, t'es rentré toi, déjà. C'est qui lui? Attends. Il est dis-moi rentré comment lui? Putain, mais attends, qu'est-ce que je fous là, moi? C'est tous des malades. Dis-moi un truc. Mais pourquoi j'ai choisi ces camps? Il va se passer quoi? Mais je vais me faire tuer à cause de ces deux baisers, frère. Dis-moi, vas-y, réponds, t'as commencé à ouvrir ta bouche. Donc maintenant, réponds. C'est pas moi qui parle. Peu importe, celui qui a parlé. C'est le hood, vous allez rentrer ou vous allez vous faire enculer, c'est tout. Ah bon? Et par qui? Cody, casse-toi. Casse-toi, je vais te mettre une balle dans la tête, man, si tu continues. Non mais reste man, tranquille, tu fais encore partie des personnes. Tu vois que j'ai évité d'aller dans la piscine. Eh oui, tout ne se dit. Qui a un flingue là? Putain, mais pourquoi j'ai choisi le coup va se manger moi, le Nanjou. Qui va se manger? Pourquoi j'ai choisi? Dis-moi, vas-y, porte tes couilles maintenant. Je suis mort. C'est un peu le Oji quoi, c'est un peu lui qui porte le hood. D'accord. Vous croyez que. Espèce de con, je suis respecté
dans ce putain de ghetto. Depuis des années, je vis à Forum Drive, je vis pour ce ghetto. J'ai écoulé des kilos et des kilos de drogue pour le ghetto. J'ai fumé des tas de lascar dans le ghetto. Et toi, t'es là, tu me dis que je peux pas rentrer dans mon quartier parce que je vais me faire tabasser dans le quartier. Espèce de petit enfoiré, depuis combien de temps t'es dans le ghetto? Depuis combien de temps t'es dans le gang, mec? Réponds-moi, mec. J'ai toujours grandi dans Forum Drive. Je suis dans le gang depuis peu, mais ça n'empêche que je peux ouvrir ma gueule quand même, non? Tu fermes ta gueule ce soir, je te le dis. T'as choisi, t'as décidé où tu étais. Donc ce soir, t'as terminé de parler pour l'instant. Maintenant, on va régler une autre chose. Tu fais le trait de ça. Oji. Man, les man, tu peux... Ouais. Ah, t'as dit Oji ou Goli? Ah, ok. Oji. Oji. Je suis dans la merde. Tu sais, je te l'ai déjà dit. Même ma mère... Ne me fais pas confiance, elle a juste. Mais non, mais les gars, je joue le fire en mode j'ai peur de mourir, c'est normal. Ma famille. Mais sinon, je vais bien argumenter. Les derrière moi sont des membres de ma famille. Je l'ai jamais dit. Mais eux, ils peuvent avoir confiance en moi. Et eux, là, ils sont pas. C'est pas des membres de ta famille. Ils sont restés de quel côté de la barrière? Donc en gros, tous ceux qui sont de mon côté, c'est pas ta famille. Calme-toi, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tranquille, ok? Je t'avais dit que cet excès de con... Tu sais, dans la vie... C'est un spectacle. C'est un spectacle, frère. Il y a plusieurs phases. Spectaculaire, la scène. La phase de l'ascension, c'est la meilleure. Le mec, il a envie d'évoluer. Et finalement, il se fait une place dans le hood. Et c'est ce qui s'est passé, il était devenu OG. Ensuite, il y a la mise en place. Je sais, fanboy de Kameto, mais je joue le pire pour avoir une belle scène. T'as tout ce qu'il te faut. Et en ayant tout ça, on arrive à la troisième étape qui devient un peu plus ennuyante. L'excès de confiance. Ah, mais Big G, une fois qu'on arrive à cette étape là, ouais, mais frère, il est là où tu en es, on arrive à la fin du cycle. Et la fin du cycle, j'ai l'impression qu'elle est là, mais j'ai pas encore terminé. Et je vais vous dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à lui dire? Et ensuite je terminerai tout ça. Et on s'en sortira comme il faut. Les man. Vas-y, je t'écoute, Cody. Les man, moi déjà je vais vous dire un truc. Moi je vais pas vous insulter et tout, Big G does. Moi, je vous dis la vérité, les man, je vous respecte, je vous kiffe, je vous trouve, vous démarquez à mort, les man. Vous savez très bien à quel point j'ai du respect pour vous. Tous les families ici, là, ici présents, je les kiffe tous, man. Il n'y a pas un mec que j'aime pas, il n'y en a pas un seul, tu vois. Le problème, les man, c'est que moi, Cody, families gang, j'ai un bandana vert, je mets du vert. Et quand je me suis rejoint, quand je me suis fait intégrer par les families, c'est l'Audi qui m'a intégré déjà. Enfin, c'est Curtis, mais voilà, il y avait aussi le... Mon frère, tout le monde a mis ce putain de bandana vert, tout le monde l'a mis. D'accord. Ouais, mais man, moi je reste loyal au OG, peu importe l'OG, que ce soit toi, Deuz, Jayden, je resterai loyal jusqu'à la mort au OG, man. C'est une erreur. Des OG, on a eu plein, Cody. Je sais, man. Des OG, mais par contre, tes families, il y a eu qu'une famille de families. D'accord. Je sais, man. Et je vais te dire un truc, Cody. Il y a beaucoup de choses que je garde pour moi et que je ne dis pas. Mais allons-y. Parlons. Toutes les personnes qui sont mortes, tu sais, quand t'as chialé en disant non, fallait pas, je t'ai vu descendre nombre de fois dans des piscines pour pleurer tes frères. Ouais, man. J'étais pas d'accord avec ces décisions. Mais tu sais, comme tu parles de loyauté, j'ai toujours été loyal et j'ai toujours assumé des décisions que je n'avais pas prises pour assumer avec l'OG. Ça, c'est de la loyauté. Par contre, en revanche, j'ai toujours eu qu'une parole. J'ai toujours eu un honneur. Si pour toi, sauver la famille des families... Et je te parle pas que de tuer qui que ce soit, je te parle de sauver la famille des families. Il y a des choix qui sont durs à faire, comme le choix que Sad a fait quand elle a buté Moon. Les man, ça dérangeait personne là. Les man, je vais vous dire un truc. Si vous prenez une décision, je la respecterai, tu vois. S'il y a un autre OG, je le respecterai. Mais moi, pour mon honneur, les man, pour les families, par respect aux OG, je peux pas bouger de là, les man. Je peux pas. Très bien. Je peux pas les Est-ce que d'autres personnes ont d'autres choses à dire? Comme ça, on va pouvoir justement clarifier cette situation. Moi, j'ai une question. Mais c'est vraiment de la pure curiosité. Parce que ça changera pas ce que j'ai dans la tête maintenant. J'ai les idées beaucoup plus claires, Jayden. Mais, dans une éventualité, dans un monde, disons, parallèle. Oh putain, la scène. Où tout le monde baisserait son flingue. Et t'épargnerait. Qu'est-ce qui se passerait, Jayden? Et s'il te plaît... Oji, sois franc. Un homme. Sois réellement franc. Comme je t'ai dit depuis le début, j'ai compris mes erreurs, boy. Là, encore plus, je les vois encore plus. Moi, je vois qu'il n'y a que trois personnes qui sont de mon côté et tout le reste est contre moi. Donc,
que j'ai pas pris conscience de mes erreurs. Avec le hood. Oui, t'as compris. Oui, mais tu as compris ce que je voulais dire, Boy. Comme j'ai dit pour Swoo et Wall, dans tous les cas, même si jamais ils venaient pas me buter aujourd'hui. Les gars, je suis stressé de fou. J'aurais dit tout le monde a nos flingues. Ils m'emmènent un otage jusqu'à leur shop. Ils partent avec, Boy. Ils me donnent les flingues avant de partir. Et ils se barrent faire leur vie tranquillement, Boy. Et après, on ira parler à la piscine et vous me reprocherez tout ce que vous avez à me reprocher, Boy. Mais c'est à trouver des solutions. J'y crois pas. Tic-tac, les solutions. Réellement pas. On t'en a donné beaucoup, Oji, des solutions. Moi non plus, je crois pas. C'est trop un crack, tu peux pas te tuer comme ça. Ouais, je pense pas comme tuer quand même. Mais on va jouer la scène. Donc maintenant, ça va être très simple. Aujourd'hui, j'ai convaincu certains. Et j'ai l'impression que je vais devoir en contraindre d'autres. Mais non. Donc ça va pas être très compliqué. Tous les gars qui sont armés, vous passez de l'autre côté et vous me pointez les trois mecs qui sont en face de moi. Mais non. Ne le prenez pas comme un affront juste pour une sécurité. Mais non. Voilà. Voilà, mais levez non. Les mains, levez les mains les amis. Voilà. On lève les mains. Me faites pas me répéter, ça m'énerve. Mais non. Donc je vais vous poser la question une fois. Allez, lève les mains. Mon frère, tu vas commencer à essayer d'être plutôt coopératif parce que toi t'auras pas beaucoup de choix sinon. C'est bon. C'est la fin, je crois. C'est la fin. Du coup. Et je vais vous poser la question une fois. Pour les trois qui sont ici. Vous avez encore la possibilité de passer derrière moi. Et je respecte le fait que vous soyez loyal. Mais si vous avancez avec le hood, vous êtes loyal avec le hood. Donc il n'y aura pas de représailles. Et à ce moment-là, on repart tranquillement avec une nouvelle organisation. Ça, c'est l'option A. L'option B, Swoo. Ouais. Ouais, Big J. Est-ce que tu as mon moustique? Celui qui pique. Non, j'ai pas de moustique, j'ai rien. Bah non, j'avais un moustique. Comme une petite merde. Va donner le moustique à Swoo. Attendez les gars, je lis pas le chat, je suis en train de réfléchir. Pas attention à mon moustique. Je suis en train de réfléchir, Cody, quel choix il ferait. Merci mon frère. Tu peux retourner avec les frères et sœurs. Maintenant, je vais vous expliquer l'option B. Oji, tu vas te mettre un peu plus derrière Swoo. Et Swoo va encore avoir quelques petits mots à te dire, je pense. Et une fois qu'il aura mis fin à cette mascarade, en espérant qu'il fasse le bon choix... Viens encore vers moi, Deuze. J'ai pas envie que que tu te fasses aiguiser. Jaden. Je vais te laisser terminer. T'as compris pourquoi je suis là, ça sent. Ouais, je sais bien, Boy. Moi, je te le dis honnêtement, tu m'as trahi. Tu m'as clairement trahi. J'ai toujours tout donné pour le hood, tout. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire. La totale. Et t'en avais rien à foutre. Tu dis que je suis une plante verte, etc. Et bah, ce soir, la plante verte... Oh. On se calme, tout va bien. Ce qui va se passer maintenant, c'est la deuxième partie de l'option B. L'option B. Les trois manes en face de moi. Vous avez deux possibilités. Soit... Attends, mais... Vous allez mettre, comme on dit, pour le coup... Ils vont le mort RP, là. Votre part. Et prendre ce petit moustique. Et trouer... Le buffet de cet homme sans cœur. Je vais commencer. Par toi qui a envie de te faire remarquer le dernier de la classe qui s'assit. Qui les bâtards. On va devoir planter l'audi, frère. Soit par loyauté, comme tu dis, et pas pour le hood. Wow, vas-y, tu décides. Trop, frère. Oh, je suis où? Je suis dans un film. De prendre la décision de rouler avec moi. Je suis dans un film ou quoi, frère? Et de mettre ta part. Moustique doit sévir ce soir. Soit. Oh non, frère, sérieux. Tu vas rejoindre ton OG. À toi de décider. Oh, je t'écoute.
C'est Game of Thrones. Tu peux être encore avec nous. Man, j'ai l'impression que je suis sur Game of Thrones, man. Vas-y, c'est étrange, je suis en train de craquer, man. C'est trop le même. Alors, mon frère, maintenant t'as le droit de parler. Je suis en train de réfléchir. Je peux réfléchir. Ouais, je vais à Fuite Kid, frère, je suis en train de me prendre le crâne. Tu peux ma botte, jamais je ferai ça au jeu. Voilà. Lui, il est clairement dépendu. Pas encore ton tour de parler. Dixon. J'ai qu'un message à vous dire, vous êtes tous des traîtres. Ok, très bien. Alors tu vas passer derrière moi. Donc tu choisis quelle solution? Bah, je rejoins mon gym. Je vais te dire un truc. Il n'y a pas de traître. Tu sais, Oji, tu te rappelles? Ah, mais non, mince. Oji ne peut pas répondre. Tout le monde a toujours été là. J'ai toujours eu un honneur. Ah, un honneur. Attends. Je vais te dire un truc. Écoute. J'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, d'accord? Je suis avec ma famille. J'ai jamais vu autant de membres de ma famille se faire zigouiller sans avoir la possibilité de répondre. Deux morts en moins de 4 jours, mon frère. Et toi? Tu te permets de venir juger alors que à aucun moment t'es venu me prouver que je pouvais avoir confiance en toi. Mais aujourd'hui, je te laisse encore ta chance, tu vois. Tu peux passer derrière. Après, libre à toi de vouloir choisir ce que tu fais. Mais mon ami, te foire pas. Parce que si tu te foires, ça va chier pour toi. C'est simple. On va passer. Je vais être franc avec toi. Même si je viendrai de l'autre côté, comme tu dis, je vous baiserai un par un. Donc à quoi ça sert autant de buter maintenant? Très bien. Donc tu choisis ton destin. Alors que j'ai reçu ton bulletin. Va derrière. Je le suis ou quoi? Non, tu peux rester là. Il va aller vers Wall. Va te mettre vers le bout du ponton. Mais... Il va le canner. Voyez? Le mec discret avec une hache dans les mains, pieds nus, qui sert à rien. Et bah ce soir, sa hache va servir. Ouf. T'es prêt, gros suceur? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une plante verte, tu sais pas parler, tu sais rien faire. Ouais. Ah ouais? Ouais, tu sais rien faire. Ok, montre juste ce que tu sais faire. Tu veux que je te montre ce que je sais faire? Vas-y. Le plus pratique, la chose que je sais faire le plus, c'est ça. Oh là là. Encore! Oh là là! Encore! Encore! Alors, on veut buter tous mes frères. Je prendrai soin de tous mes frères jusqu'à la dernière goutte de sang que j'aurai dans le corps. Voilà. Je pense que là, ce soir, c'est Hachi Parmentier. Tu peux revenir, Wall. Moi, je pense que ce lit, t'as dû avoir un temps de réflexion, maintenant. Ouais. Et que t'es prêt à prendre une décision. Oh ouais. On te laisse le choix. Tu peux rester avec ta décision. Roger Loji, j'espère que tout le monde vous baisse, que les Aztecas, ils vont tous vous enculer. Tu veux que je te dise un truc? Tu sais pourquoi les Aztecas vous enculeront pas? Parce qu'ils m'ont dit, tout comme moi, on est des fils de pute. Rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes des clowns. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, je suis mort. C'est celui qui lève les mains. C'est bon? Je suis mort, moi. Passe derrière moi. Garde-moi une place au chaud en enfer, connard. Ah, je suis mort, c'est un baiser. Et tu vas aller rejoindre ton pote. Ça, moi, je suis juste deck pour Valken. Vous allez tous brûler. Chut. T'inquiète pas. N'aie pas tendé. HRP. Enfin, on en parlera après, HRP. Là, les gars, vous allez regarder. Je parle pas, là, on parle full info. Un labo, c'est un labo. On parlera HRP après. C'est très balance. Et tous me parler d'honneur. Ça veut dire qu'en fait. Tu as trahi notre OG en premier. Ouais, j'ai trahi l'OG si tu veux. T'as lâché son business. La trahison, tu l'as fait même avant moi, tu vois. Espèce de sombre merde. Ah, incroyable. Une balle. Pour l'OG, on est prêt. Tu entends ça, Cody? Sombre merde. Tu entends? Non. On va. Tu vas aller rejoindre ton pote. Vous avez pas les couilles. Allez, écoute, mon frère. Va rejoindre ton frère là-bas. Tu me prends pour un imbécile. Dépêche-toi. Tu vois, Cody? Nous, on roule pour le hood. Et ils étaient prêts à trahir toute ta famille en vendant notre business. Et peut-être que demain, tu n'aurais pas pu mettre à manger dans ton assiette à cause de ces deux sombres merdes. Et le OG, qui est censé faire confiance à ses bras droits, ne nous a jamais parlé de cette décision. Et toi non plus. C'est bon. Tu commences à comprendre ou pas? Tu commences à comprendre ou pas maintenant? Eh hey man, c'est un bordel, je suis choqué, man. Je te mens pas, je suis... Moi aussi. Attends, il vient de cuter Wall. Ouais, il vient de cuter... Qui a cuté Wall? Ok, tranquille, venez. Ok, venez.
prenez Wall, blesse-le. Prenez Wall. Prenez Wall. Coupe ça. Et faites-lui un bandage sur le bras, parce que c'est un imbécile en plus, j'ai l'impression. Vous allez me canner, vous aussi? Vous êtes prêts à me canner? Non, Audi. Bonsoir ou pas? On garde le meilleur pour la fin. Écoute-moi, Cody. Tu sais, Cody, dans la vie, il y a des décisions à prendre. T'es encore jeune, mais t'es un gamin qui a un putain de potentiel, tu vois. Tu vois, la dernière fois, au bord de la piscine, tu parlais de pourquoi pas augmenter un petit peu en grade. Je ne t'offrirai pas ce grade pour acheter ta loyauté. Non, du tout. Cody, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, on s'est déjà parlé plusieurs fois. Et je te l'ai dit que je t'appréciais, que tu faisais partie de ma famille comme tous ceux qui sont là-bas. Ok? Donc, une autre chose maintenant. J'ai un truc à te dire. Moi, je vais te considérer. Le choix que j'ai fait là, peut-être que tu vas m'en vouloir aujourd'hui. Mais demain, tu comprendras que le choix que j'ai fait, c'était non pas de trahir le Hood, mais c'était de faire honneur aux Families. Man, tu comprends ou pas? Man, je comprends. Tu veux que je te dise la vérité? Je doute pas une seule seconde que toi et Dust, vous allez élever le quartier, tu vois. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Que vous allez être des bons leaders. On parle pas d'élever le quartier, on parle de respecter. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça, j'en doute pas une seule fois, tu vois, que ça va bien se passer, etc. Mais man, tu vois, moi, j'ai un bandana vert. Je suis pas loyal ou quoi, tu vois. Tu dois faire honneur aux familles avec ton bandana. Je sais, man. Putain, donc ça veut dire que là, les décisions du OG, tu cautionnes toutes les décisions. Non, à chaque fois, je gerbais, moi, à chaque fois qu'il y avait un mort. J'étais dégoûté, j'ai chialé. J'ai chialé comme Mounelle est morte. Ta gueule, Cody. Écoute, je vais te remémorer une fois où t'es fini à la piscine. On en parlait justement hier. T'avais fini à la piscine parce que Sad t'y avait foutu. Ouais, man. Pourquoi est-ce que Sad t'y avait foutu? Parce que tu l'as traité d'assassin. Pourquoi tu l'as traité d'assassin? Parce que tu ne cautionnais pas la mort de Moon. Mais non, mais frère, Cody a pris cette décision. Tu me retournes le cerveau. Est-ce que je me trompe jusque-là, Cody? Non, man, t'as tout juste. Tu penses que le peu d'empathie qu'il a eu envers Moon. Non, mais Big J2, c'est mais frère, il n'aurait pas eu envers toi, Cody. Arrêtez de le pointer. Cody est un homme intelligent. Tu le sais. On discute maintenant, Cody. Écoutez les manmas, vous savez, jamais de la vie je vais réinsulter mon gang. Jamais de la vie j'irai insulter les familles. Jamais de la vie j'irai dire ce qu'il a dit l'autre enculé là, man. Et je sais même pas pourquoi j'étais à côté d'eux. Moi j'aurais dû me mettre au milieu, man. Moi je vous en veux pas du tout, les man. Je comprends la décision, tu vois. Je comprends. Je sais ce que ça fait de voir des frères mourir et des sœurs, tu vois. Et ça fait mal au cœur. Surtout quand tu dois assumer une décision que c'est même pas toi qui l'as prise. Je vais te dire quelque chose. Mais les man, c'est Jayden, putain. Le jour où Triss il est mort, il y avait déjà quelqu'un pour le remplacer. Tu sais qui c'est? C'était Sully. Il était habitant, il a assisté à la mort d'un de nos frères alors qu'il portait déjà même pas les couleurs. Les man, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire là, les man? Ça y est, là, c'est fini pour moi. Maintenant que je suis avec eux, vous m'en voulez? C'est terminé? Non, pas du tout. J'ai pas dit que t'étais avec eux. Je te laisse encore le choix, justement, de décider de quel côté tu veux être. Cody, tu comptes beaucoup à mes yeux. Et je compte te le prouver encore très très longtemps. Tu sais, contrairement à Audi, je mets les mains à la pâte. Je vais vendre avec toi. Quand t'as une galère, j'essaye de te sortir de la galère. Quand tu fais des bêtises, comme un père de famille, j'essaye de trouver des solutions plutôt que de te mettre la misère. Tu vois, parce que autant te dire que il y a peut-être des piscines auxquelles tu aurais dû assister. Et deux et moi, on était là pour toi, Cody. Tu ne le sais pas. Car les grands hommes ne se vantent pas des choses qu'ils font. Il préfère que les gens le constatent. Maintenant que tu es au courant de tout ce qui se passe, qu'est-ce que tu as envie de faire, Cody? What? Excusez-moi. Là. C'est nerveux. T'es stressé, tu vois, t'es stressé. Allez, pète un coup, Cody. Calme-toi, s'il te plaît, Big, il faut que je parle à Jayden. OG. Jayden. Il a planté, ouais, bref. OG, Jayden, man, je sais pas si tu m'entends. Mais écoute, man, quand t'étais OG, t'as été ultra bienveillant avec moi, man. J'aurais aimé que tu sois encore OG pendant des années. J'aurais aimé que tu sois encore en vie pour entendre tout ça, man. C'est vrai qu'il y a des décisions, tu vois. Bah, disons que j'étais pas d'accord à 100%, mais c'est normal. Moi, je me suis toujours loyal au Hood. Et comme je suis loyal au Hood, je suis toujours loyal au OG. Et non, man, ça me fait chier de le dire. Mais le roi, il a perdu sa couronne.
continue. Tranquille. C'est bon, reste. C'est bon, Cody. Family is for life. Repose en paix, Jane. Ok. C'est barré, je crois. Non, les gars. Prenez son corps. Bruce. Il est parti au ciel. Et balancez-moi cette pourriture à la flotte. C'est normal, il a été F4 en mon discours. Cody. 1, 2, 3. T'étais pas loin. Souvent pas loin. De finir dans cette piscine. J'en sors aujourd'hui. Et je te donne la possibilité aujourd'hui de. De faire ce que tu as toujours fait de bien. Être Cody. Tu comprends peut-être pas la décision, mais si aujourd'hui j'ai autant de personnes derrière moi, c'est pas pour rien. Anne, je vais dire un truc, je resterai loyal jusqu'à la mort aux Families. Families for life. Et si c'est pas avec Jayden ou OG, ça sera avec un autre OG. Mais qu'est-ce que... Tu vois ce que je veux dire? Moi, man, tu me connais, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que moi, c'est pas simplement un gang ou quoi, c'est une vraie famille. J'avais beaucoup d'estime pour lui, man. Tu sais, Cody, quand je te dis, d'accord, que je fais ça pour le Hood, est-ce que tu te rends compte, mon frère? Est-ce que tu te rends compte que les deux frères qui sont derrière, qui ont rejoint l'OG, viennent de nous avouer qu'ils ont balancé notre labo et que l'OG était au courant? Notre source de revenus, ce qui nous met de la confiture sur notre pain, est-ce que tu te rends compte? On se donne tous les jours à fond pour ce OG. Je vois, man. Et c'est comme ça qu'il nous remercie. Il nous coupe l'herbe sous le pied. Et le futur, man, tu le vois comment? Vas-y, réponds à ma question. Dans 3-4 demain là, man, c'est là qu'on va rentrer, ça va être comment, man? Hein, avec ce qui vient de se passer, man? Tu penses pas que là, c'est le bordel? Écoute, Cody. Écoute, Cody. Quand Tris est tombé dans la piscine, on a continué notre vie. Quand Moon est tombé dans la piscine, on a continué notre vie. Même toi. Quand même toi, t'as dû. Ouais, même toi. Ouais, ça fait quoi, même toi. L'OG sait que t'es quelqu'un de sentimental. D'accord? Toi aussi, t'es quelqu'un de sentimental. C'est pas pour autant qu'il t'a pas donné de l'arme et il a préféré que tu assumes sa décision à la place de tout le monde. Réfléchis bien. Je pense pas que les générations passent et ce qui reste, c'est quoi? Les man, le problème, c'est la couleur, c'est les murs. Big G, je vais dire un truc. Le problème, et tu le sais très bien, man, c'est que à la parlotte, pour convaincre les gens, en termes de leader d'homme, hey man, tu vois, moi j'ai beaucoup de respect pour Jayden. Mais je connais pas meilleur que toi, Big G. Là-dessus, tu vois, c'est un point. Maintenant, je sais pas, j'avais juste pris, c'est de l'habitude, j'avais pris que c'était... Ouais, je comprends. Man, c'est pour moi, Jayden, c'est l'OG, man, tu vois, il fait partie... Et un OG, c'est sacré, man, tu vois ce que je veux dire? C'est comme une religion, c'est... Ah, putain. Cody, ouais, les man. Avant Jayden, il y avait Curtis. Ah, je sais. Curtis est parti et tu as pris un OG. Avant Curtis, il y avait Pils. Il y avait Sins. Et avant Pils, non, il y avait Sins. Comme là, il y avait Jayden, il y aura un autre OG. Et comme premier du nom, Ruben. Vraiment, les gars, qui est inquiet pour la suite? Sale merde, moi, putain, un homme. Qui est inquiet pour la suite? Quoi? Moi, je vais te dire honnêtement. Pas moi. Moi, je vais te dire honnêtement. Mais les gars, je fais quoi? Je wipe, frère? Là, je vais. Arrêtez avec vos sales merdes. T'es pas un homme. De prendre une piscine et de prendre une balle dans la tête. Et on doit être plusieurs dans ce cas-là. Parce que personne n'était à l'abri d'une piscine. T'avais plus de chances de te faire buter par un familier, ce Mara. Pourtant, les Maras, c'est les ennemis. Les familles, c'est ta famille. Bon avantage, Cody. On pourra faire d'autres fléquins ensemble et on pourra se refaire chauffer par les cops ensemble. Ah, mais les matchs, je comptais pas vous abandonner. Vous croyez vraiment que j'allais vous abandonner? C'est juste que moi, j'aurais aimé d'un gang avec tout le monde, c'est tout. Il faut juste que je m'y habitue. On aurait tous voulu un autre scénario, Cody. Crois pas qu'on a fait ça de gaieté de cœur. Tu crois que quand j'ai appuyé sur la gâchette pour buter Moon, tu crois que j'ai ressenti quoi, Cody? Ouais. Ouais, j'ai même pas envie d'imaginer. Oh putain. Excuse-moi. Arrête de stresser. Ouais, man, c'est comme si tu me demandais de tuer mon meilleur pote depuis l'enfance. Ça doit être horrible. Ça doit être horrible, je te rejoins là-dessus, ça, mais. Mais voilà, je me disais que les décisions, ils prenaient pour le Hood. Et puis vous-même, les gradés, ouais, vous étiez d'accord. Écoute, man. Cody, toi, on n'était pas d'accord. T'avais pas, t'as dis pas, pas qu'on était d'accord. T'as pas vécu la situation. On n'était pas, pas d'accord et on l'a fait comprendre. Il est là, Valken, mon ref. On n'avait pas vendu nos pochons. Mon ref. Mourir d'une balle dans la tête, tu trouves ça normal? On a oublié d'allumer notre réveil pour nous réveiller. Peut-être que demain, la mauvaise humeur serait passée sur toi, qui sait. Oh, Cody a encore fait un pas de travers et pourtant t'en as fait des galères. Mais t'es encore là. Cody, parce que certaines personnes étaient là pour te défendre dans la piscine.
Sauf que la défense, ta défense, on la mettait pas en place avant, pendant que t'étais dans la piscine, mais avant. Les man, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Moi, Cody Roger, je m'engage à être loyal aux Families, aux Hood, jusqu'à ma mort. Et si c'est pas Jaden ou OG, ça sera un autre. Mais moi, Cody, les man, je resterai loyal aux Hood. C'est tout. Là-dessus, y a pas de galère. C'est juste que je voilà, moi. Je fais confiance à ton honneur et à ta parole, je sais que t'en as une. Oh putain. Oh, c'est quoi ça, man? C'est quoi ça? C'est rien, arrête, arrête, bouffe de musique Titanic. Non, mais les man, c'est juste que moi, je me suis dit que si je m'oppose à vous, peut-être que ça va peser dans la balance quand on va pouvoir sauver Jaden. C'est tout, les man. Okay. Eh, vas-y, vas-y, ça y est, ça y est, coupe, coupe, ça y est, on s'arrache la droite. T'as tout gâché, man. Ok, coupé, bon. Va te faire foutre, boobs. Maintenant, il va falloir faire quelque chose de symbolique. Si t'es loyal, tu connais Claudie. Mais non, frère, j'ai pas envie de faire un nouveau perso, c'est chiant, frère. Et mettre votre cœur à l'édifice pour signer notre nouveau départ. Ça fait une semaine qu'on joue le perso. Nous prend pour des. Et que. Oh là là. On est incapables. On va leur montrer qu'on peut être aussi sanguinaire que n'importe qui dans cette ville. Et à partir de maintenant, on va changer les choses. Il y aura une toute autre organisation. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis plutôt participatif plutôt que. On va dire paternaliste. Je suis quelqu'un de paternaliste. Il reste quand même une chose à régler. Et non, déjà, il reste une chose à régler. Pas, non, mais avant, que Dave, il y a le problème. Enfin, le problème. Il y a Swo et Eben, les man. Qu'est-ce que Swo vient? Viens par là. Moi, les gars, je vous dis, si je wipe Cody, j'arrête le RP, les gars. Parce que franchement, le RP, je sais qu'en 6, c'est pas, vraiment pas ma priorité. Moi, j'ai beaucoup de projets IRL, j'ai beaucoup de multi, plus avec ma commu ces temps-ci. De Swo. Moi, ça sont moi. Les boys, je dois vous mentir. Franchement, ces temps-ci, je recherche plus un perso chill à jouer, tu vois. C'est passé ça. T'as raison, bah oui. Bah, fais ton canal alors. Bah oui, bah du coup, je vais pas wipe, je vais garder Cody. Et vous prendrez la décision. C'est tout. Attends, du coup, pour Swo, ça se passe comment? On n'est pas obligé de faire ça maintenant, ou je sais pas. Moi, en tout cas, voilà, je te donne mes armes, etc. Et il y aura plus de fuite. Mais après cette fuite-là, est-ce que tu serais capable de refaire ce genre de choses? C'est-à-dire? Ce que tu viens de faire, ce que t'as entrepris. Hey man, si Big D te met dans la piscine et tu te fais canner, qu'est-ce que tu fais? Je me laisserai canner, parce que ça sera Big D et que je l'aurais mérité. Parce que j'ai confiance en lui. Moi, les man, tu m'as fait confiance. Moi les man, je vous dis, on a besoin d'un gang solidifié, les man, c'est le plus important. Et là, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, moi ça me fait un peu peur. Mais j'ai confiance en Big G et en Boobs. Ça, les man, s'il y a bien un truc, s'il y a bien un truc qui est clair dans le gang, c'est que tout le monde vous fait confiance. On va voir ce que nous réserve l'avenir, les man. Tu penses pas qu'au contraire, ça va nous solidifier? Premier les for life. J'en sais rien, man, je sais pas, je suis perdu. Là, c'était pire qu'une série Game of Thrones, man. Moi, je fais confiance à tous les man qui est ici. Et même à soi-même. C'est grâce à lui, un peu, quand même, qu'on a Big G réussi à se rendre compte. Deuce, quel était notre avis par rapport à la sanction qui a été Mais vas-y, les gars, on suit le gang, ça. Le gang. À Snow. On voulait l'épargner. On voulait pas qu'il crève. Ok. On suit le gang, les gars, on suit le gang. Qu'est-ce que vous auriez ça fait chier vis-à-vis de Valken, mais bon, on suit le gang, ça. Qu'elle reste en vie. Qu'elle reste en vie, pareil. Ok. Alors, se faire tuer juste parce qu'il est discret. Ah, de ouf. Cody. Hop là. Cody, là, il est... Je suis là, les man. Je suis juste choqué de ouf. Je suis choqué, les man. Mais bon, je me dis que c'est un mal pour un bien, et ouais. J'ai pas écouté la question, les man. Si jamais. Mais moi, ouais. Ouais, les man, je suis chaud. Oh, putain. Fils vraiment de pute. Un connard. Non, mais je suis chaud, les man. Family's for life. Non, ok. Ce qu'on va faire maintenant. Ok. On recommence toi à zéro, les man. C'est bien fini. Nouveau départ. Cody, reste avec moi. Il faut que tu vois toute la fin pour histoire que tu puisses comprendre que maintenant une nouvelle page te tourne réellement. Putain, mais après. Donc, les gars. Je sais pas. Et moi, je me suis retrouvé dans un camp, man. C'était des baisers un peu, les man. L'autre, il a dit j'espère que vous allez vous faire baiser par les Aztecas. Et l'autre, il a commencé à insulter, man. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai choisi ce camp, man? Tu sais, c'est à partir du moment où tu es mis au pied du mur que tu découvres la vraie personnalité des personnes. Et encore une fois, ils m'ont prouvé que je me suis pas trompé. Et moi, je vous ai prouvé que c'était bon, les man. Écoute, Cody, on a déjà eu plusieurs discussions dans la voiture et t'es une personne de confiance. Families for life. Allez, achevez-les-moi. Et on va en voiture. C'est toi qui as mon gun, Big G.
Ah. Laisse-moi m'occuper de Sully, il est où ce connard? Où le gars dessus? Fais attention okay. À la hache. Hey Jayden, je te prends ton. Je te prends ton bandana. Qui t'a dit? Il est où l'autre? J'ai le bandana de Curtis, j'ai ton bandana maintenant, Jayden. Je t'oublierai. Mais putain, mais c'est pas possible. allez aux voitures. Ça y est, un plus Jayden, force à toi, man. Non, mais c'est bon, les man, ça fait deux fois, bordel. Il veut clairement pas t'entendre. Non, il veut pas m'entendre, c'est pas possible. Vas-y, dis-nous ce que tu voulais. Vas-y, on va faire un truc. Mais les gars, vous avez vu le RP? Non, mais ça y est, c'est bon, t'inquiète, man. C'est arrête bon. De baigner dans son sang là. C'est bon, lève-toi, Boom, c'est bon, t'inquiète. Fais ton clown en plus. Par contre, Boom, juste un truc, c'est que j'ai choqué parce que ta petite frangine, elle t'a pas suivi, man. Elle a pas allé de ton côté, ta petite sœur. Chut, c'est pas vrai. Allez. Ouais. C'est bon. Ouais. C'est une membre des Familys comme une autre, man. Tu veux que je me fasse elle fait son choix. Ouais, man, prenez votre t-shirt. Mettez-le sur la tête. Moi, c'est pour ça en fait, c'est un retournement de situation et tout. Attends, décale-toi vite fait du coup. Il faut pas qu'ils voient ça, les autres Familys. Non, là. Ah, mais c'est dégueulasse. Allez, on se casse. Allez, on se casse. Je t'ai bien les corps. Dans le fleuve. Ça me dégoûte. Allez, les gars, on décolle. Y'a pas mal de personnes qui traînent notamment pour de l'autoroute qui peuvent passer en temps. Oh, j'ai la gerbe. Bah alors, t'es malade, t'as attrapé la crève. Jayden, repose en paix, man. Putain. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je sais pas. Si, t'as fait le bon choix. Toi, tu dis ça parce que maintenant, Boob, ça va être le bras droit. Et Big D, le OG. Toi, tu dis ça parce que c'est ton grand frère. Moi, Jayden, c'était mon OG, c'était comme mon daddy. Il était ultra protecteur avec moi. Ouais, je sais. Allez, grimpez vite en voiture, on décale, les gars. Aussi. Toi, on prend la tube qui est en bas. Je peux pas comprendre, moi et l'Oji, c'était. Ouais, je sais. Il m'aimait beaucoup et moi je l'aimais beaucoup aussi. Il y avait du respect de fou entre nous, tu vois. Moi aussi, je l'aimais bien. Mais Big D, il défend beaucoup, Cartier, dépêchez-vous, courez là. Je pense qu'il est simple, ça peut être un. Les manches, j'essaie de me dépêcher, mais j'ai un peu germé. Putain, vas-y, tombe. Putain, on a dit qu'on se barre, te dis, cassez-vous vite. Allez, débarrer vos touches, ne vous inquiétez pas, je vais en mettre un dans le coffre et c'est bon, vas-y, carré. Cours. iPhone. Mais non. Attends. Mais cours. iPhone, vas-y. Putain. Putain. Repose en paix, Jayden. Pour toi, ici, d'accord. Families for life. Ouais, je t'aime, OG. C'est bon. Je t'oublierai jamais, man. Une pensée aussi à. Et trop loin. Allez, prends. Elle tombe, dégage. Ah, mais elle était malade. Non, vas-y, c'est parti, les man, on charge. Oh putain. Putain. C'est bon. Et bah, putain. C'est bon. Jayden, le OG, s'est fait tuer. Big D, c'est le nouveau OG. Et Boop, c'est le bras droit. C'est le plus gros retournement de situation que j'ai jamais vu de ma vie. Il faut remonter vers le nord. C'était une dinguerie. Une dinguerie. Je sais pas comment ça va se passer maintenant sans Jayden. Oh putain, il y a la cavalerie à mort. Il y a des rampes d'aide, des casques qui tombent. J'espère que Jayden, il m'en veut pas. J'espère qu'il va reposer en paix. J'espère que ça va bien se passer sans lui. Une pensée aussi à Dixon et le sudiste. Inspecteur Gadget. C'était vraiment ouais, un bon. Ils vont offerter. Families for life. Ouais, vas-y, on s'en cogne. Putain. J'aurais dû rester avec Booba dès le début, man. J'aurais même pas eu de choix à faire. Tu étais avec Booba au quartier? Le mec de tout à l'heure là? Ouais, il était en train de nous faire un son. Attends, c'était vraiment lui? Ouais, c'était le vrai Booba, ouais. Bah oui. Putain, c'est vrai. Ah, oh, j'aime trop Love the Hill, la piraterie. Ouais, il était en train de chanter. Il était en train de chanter le son. Comment il s'appelle déjà le son? Pitbull. Ouais, Pitbull. Il chante putain, trop bien. J'aime trop, il est trop fort.
Je suis choqué, les man. J'ai besoin d'une pute. Man, on aurait déjà un putain de film. Mais c'était... Moi, t'y croyais pas. Putain, Big G, qu'est-ce qu'il est fort, cet enculé. Ah, il a sorti des trucs. Il a dit, ouais, t'es le café de ta noisette. Ouais, bon, ça, t'étais pas obligé de le rappeler. Ça. Ah, ouais. Man, il a réussi à caler le roi Merlin, man, quand même, dans la conversation tout à l'heure. Tu penses que t'as un défi pour lui? J'aurais essayé avant. J'en sais rien, man. Il a calé le roi Merlin, man. Alors que Oji, il allait se faire caner. Par contre, man, tu sais que je suis sur le cul encore. Parce que de base, Boobs et Big D, ils sauvent le Oji des mains de Swan. Et ensuite, c'est Boobs qui vient caner. Le OG des mains de. Et qui ramène Swo à ça. Non, maintenant, c'est. Au final, tu vois, moi, je me disais. C'est un putain d'enculé, l'autre mec pieds nus, là. Et au final, je me suis retrouvé solo contre vous tous. Ah, man, je te jure, t'inquiète. En fait, il y a un passif après tout ça, tu vois. C'est arrivé, il y a pas de passif. Mais ouais, on était un peu plus loin. Mais il y a un passif, tu vois. Ouais, non, mais je me doute que. Boobs et Big G sont mieux placés que nous pour savoir. Si Jayden il était bon ou non pour le hood, tu vois. Maintenant, moi vis-à-vis de Jayden. Vous voyez une facette de lui qu'on voyait pas. Cody, je vais te dire, tu te rappelles ce que nous a dit le OG quand Swo nous a échappé? Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il nous a dit? Ouais, il avait dit quoi? Il nous a dit exactement, c'est de la faute de mes gradés, je leur demanderai plus leur avis, je prendrai toutes les décisions à partir de maintenant. Pardon? Ouais. Ouais, je m'en rappelle. J'ai entendu ce que t'as dit. J'ai dit le jour où Swo s'est barré, le OG, il est monté dans la voiture avec Cody et moi et il a dit je prendrai toutes les décisions à partir de maintenant. C'est de la faute des gradés. Voilà ce que ça fait quand ils veulent me parler. Je les écoute plus. Je suis trop heureux, les gars. J'étais malade et tout. J'étais dans le mal. J'ai lancé live masterclass. Et il ose me dire en face qu'il me faisait confiance et que je suis la personne en qui il a le plus confiance. Nous, on avait validé, nous. À un moment donné. Il faut se rendre à l'évidence. Moi j'ai dit ouais, je suis d'accord. Une personne ne naît pas leader. Non, ne devient pas leader, une personne n'est leader. Je me prétendrai pas leader. C'est pourquoi ce soir, ce qu'on va faire, il va forcément falloir que quelqu'un prenne la place du OG. Mais non. Et au grand Dieu, je n'oserai jamais vous obliger à me suivre. Mais non. Donc moi ce que je propose, c'est que tous ensemble, on décide. De qui va devenir le OG maintenant? Vas-y les man, venez, on va mes entortines. Vas-y. Mais non. Ouais, pas dans la piscine. T'as un OG? Putain, enfin, je vais devenir OG, man. Attends, c'est mon frère, va devenir OG, parce que c'est le meilleur. Putain, il est trop fort, il est trop beau. Du coup, il y a une urne, il y a les présidentielles, c'est le premier tour, deuxième tour. Non. Il faut une carte électorale familiste, c'est comment que ça va marcher les élections? Ah, voté! Voté! Putain, il m'a couillé ma place. Allez, place du OG. Clairement pas, bah du coup, lève-toi. Oh, je vous ai réunis les boys aujourd'hui pour. Ok, t'es pas crédible. Ferme-la, okay. Ben. Ok, c'est bon. Ok les man, est-ce que là on est tous autour de la table, tous les families actuels? Ouais. Il y a des absents. Il y a Dave. Dave est absent. Ouais mais Dave, tu penses que... Ah Walt est où? Je veux dire les man, je sais pas si Dave... je sais pas, à voir. Écoute, on lui proposera la même chose comme il a dit Big D. C'est le frère de Dixon. On lui proposera la même chose. C'est le frère de Dixon. Je le sais, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure à Big. On a tué son petit frère et on a tué son OG, man. Écoute, merde. S'il veut pas entendre raison, je l'emmerde et puis je le bute. Ok, les man. Je pense qu'on va commencer à... On va faire le tour de la table. Et chacun, on va dire un prénom, les man. Dès qu'on aura fini le tour de la table, le prénom qui aura été le plus cité... Il sera officiellement OG. Et, moi, je peux commencer, les man. Et on verra, je pense, pour le second. Vas-y, tu commences, Sad. Ce soir, j'ai vu et entendu des choses. Ok, je pense qu'on est un peu. Au moins, il y a de la place pour Neptune. Surpris de ce qui s'est passé. Hein. J'espère que Dave va rester. Je reste peut-être, on verra demain.
J'ai vu des mecs. T'as créé l'élection de délégués ? Non, Dave quitte le groupe. J'ai confiance pour la suite et j'ai confiance en chacun des mecs là qui a de dans ce. Mais j'ai trop seum, le gang il était incroyable en fait. Mais ce soir il y en a un qui m'a surpris plus que d'autres. Et c'est Big Dick. Ouais, de ouf. Big Dick, je t'avoue que moi non plus je te portais pas dans mon cœur. Ah, j'ai faim, et que... s'il te plaît, j'ai faim. Moi non plus. Désolé les man, désolé de te couper ça. Désolé, mais les man, je vais clamser là. C'est bon. Arrête de pleurer, Cody. Ok, c'est bon, excuse-moi, désolé ça, désolé de te couper. Tranquille. Putain, tout le monde l'a entendu. En plus, ton discours était trop beau. Bien entendu que j'avais pas confiance en toi, Big D. La confiance, ça se gagne. On a beau être dans la même famille. On se regarde du coin de l'œil, tous. Et en vue des décisions qui avaient été prises par le OG. Je me posais la question parfois si t'étais pas un petit peu, on va dire, le commanditaire, puisqu'on sait que tu parles beaucoup, tu peux retourner le cerveau des gens très facilement, tu vois ce que je veux dire. Bah, ce soir, j'avoue que ma confiance te l'a gagnée, et en tout cas mon vote se portera vers toi. Ok, on va tourner dans le sens des chiottes. Un vote pour Big G, à toi Yannick Noir. On fait un pied. Le gros panard. Mais non, j'ai mal à la gorge, c'est pour ça. Ah. J'arrive pas. Bah, du coup, t'as compris qu'est-ce qu'on fait ou tu débarques? Tu sais quoi, mets-toi entre Sad et Triss. Scar. Sad et Scar. Je fais que de confondre. Je sais, mais à chaque fois, je le confonds. Mets-toi entre Sad et, Scar. Hein? T'as dit quoi, man? Parle pas de choses qui fâchent. Ouais, désolé. Bon, du coup, les matchs, je pense que c'est à moi de voter, du coup. Je vais vous dire la vérité. Moi, là, je vois qu'un seul mec capable d'être le OG. Enfin, un mec bourré de talent, talentueux, incroyable, charismatique. Et c'est moi. Mais les man, je pense que c'est encore un peu tôt pour moi, pour prendre le règne. J'ai pas envie de cramer les étapes. C'est encore un peu tôt. On va dire un truc, interdit de voter pour soi-même. Putain, mais comment je fais pour voter? Ok, bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, les man. Non, plus sérieusement, les man. Un OG, c'est quelqu'un qui comprend ses éléments, tu vois, qui comprend son gang. C'est comme un père de famille au final, tu vois. Le OG, c'est celui en qui le gang a entièrement confiance et vice versa, c'est réciproque. Le OG, c'est celui quand il parle, t'es fier de ce qu'il dit, tu vois. Le OG, c'est celui que quand il parle, tout le monde se tait. Le OG, c'est celui qui dégage un charisme naturel, tu vois. Et boobs, tu vois, tu sais à quel point je t'adore et tout, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais dans notre gang, il y a un mec qui s'appelle Big G. Et c'est un monstre. C'est un monstre, man. S'il se présente aux élections présidentielles, il gagne, man. Il pourrait être président des USA. On l'a dans notre gang. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout à pas être OG, man. Du coup, c'est pour toi que je vote, Big G. Génial, à mon tour. Écoute, je vais pas te faire de grands discours. Tu sais ce que je pense de toi. T'as un cerveau, tu sais t'en servir. T'as une langue. Tu sais t'en servir au plaisir de ces dames. Et c'est pour toi que... Et c'est pour... Putain, il y avait ma frangine, j'ai oublié. Désolé, Thaïs, c'est pas ce que je voulais dire, Carty. T'as bien entendu. Okay. Voilà. Du coup, c'est à toi que va ma voix, Big D. Moi, Big D, je te connais pas trop. Mais putain, t'es trop charismatique. J'aime trop. Moi, je veux que tu sois mon Audi. Ok? En plus, t'es le meilleur atout, t'es trop beau. Quoi? Non, tranquille, attends, bon. Elle fait à droite. Hein. Oh, pardon. Vas-y, Ben. Alors, on va pas aller dans ces Noji. Il a peut-être fait quelque chose qui était bien. C'est que on avait quand même des lieutenants, que ce soit deux ou Big D, qui étaient compétents. Donc, je les apprécie tous les deux. Ils ont chacun leurs atouts comme leurs défauts. Et moi, je vais pas pouvoir me permettre de voter pour l'un ou pour l'autre parce que les deux méritent d'être là où ils sont aujourd'hui, donc je vous laisserai décider. Je fais un vote blanc. Ah, t'as pas compris le concept de voter, connard, mais vas-y. Mais man, nous, on voudrait tous voter blanc, mais on est obligé de choisir. Oui, mais moi je choisis pas, je voulais choisir. Mais en fait, t'as pas le choix. Bah écoute, moi je vais te dire un truc, je suis toujours lieutenant, t'es toujours young, et je vais te demander de prendre tes responsabilités, je vais te demander de choisir quelqu'un, pas moi ou Big D, quelqu'un. Je préfère ton nez de beauté. Non, vraiment. Tu vas pas te faire fumer si tu te dis l'un ou l'autre. Non, mais je sais, mais les deux sont difficiles. Allez, pour tes couilles, putain.
Moi je vais choisir deux. Ok. Putain, bah, man, c'est respectable, hein, man. Les deux, moi je te mens pas, les deux ils pourraient être OG à mes yeux. À toi, Isin. Ouais, clairement. Ok. Pour moi, il y a deux noms qui sortent du lot. Big T 2. 2, ça aurait pu l'être avant tout ça, tu te rappelles, quand tout le monde est parti. Ouais, j'en ai eu l'occasion. T'en as eu l'occasion. T'as pas voulu pour certaines raisons, raisons respectables. Aujourd'hui, je pense que tes raisons n'ont pas changé. Même si tu ferais un très très bon OG, moi je voterais Big D. Big D, même si t'as des doutes sur moi, tu vois ce que tu Ernesto Dora. T'as eu un petit doute, tu vois. Moi je doute pas sur toi. Je doute pas sur toi. S'il faut crever pour toi, je crèverai pour toi. Si il faut crever pour n'importe qui, si je crève pour n'importe qui. Mais pour moi, celui qui doit porter l'étendard vert, c'est toi. Ok. À toi, Big D, de voter. Les gars. Je n'ai pas envie de voter, en fait. Parce que je suis personne pour me prétendre au-dessus de tous ceux qui sont autour de cette table. On a dit, tu votes pour qui tu veux, sauf pour toi. Ça va peut-être te faciliter la tâche. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a une personne ici présente qui s'est toujours donnée pour le hood. Je pense que cette personne a connu plus de OG que n'importe qui autour de cette table. Alors, ne soyez pas choqués, messieurs. C'est trop bon, j'ai envie de pleurer. N'oubliez pas que... un OG, c'est comme le fils de Dieu, il représente la parole de Dieu. Mais Dieu, personne ne sera au-dessus de lui, personne ne sera au-dessus des Familiz. Les Familiz, c'est une religion. On a toujours voué corps et âme pour les Familiz. Ah oui, tu peux l'aménager ton religion. Oh putain, mais c'est un problème. Continue, Big Jim. Faut que j'éteins mon téléphone. T'as ton téléphone, putain, te dis, bordel. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que pour moi, la personne qui a des épaules, et qui l'a prouvé depuis qu'il est là, on va dire qu'il a été là au moment où ils ont... En gros, c'est un dégât ce qu'il a dit là, c'est un... Il faisait partie, il a coulé le ciment avec les mecs. Mais les musulmans, ils disent ça en mode pour écarter le diable. Ok, c'est à moi les boys. Le prochain qui vote pour moi, il prend une balle dans la tête. Tout ce qui s'est passé ce soir, moi, je vais pas vous mentir, déjà je m'attendais à mourir. J'ai fait ce que je pensais, ce qui était bon pour le hood. Et clairement, c'était pour ou Deux ou Big D prennent la place du OG, tout simplement. Après, il va falloir départager, c'est vraiment compliqué, je vais pas vous mentir. Et les deux... vous êtes bon. Vous avez clairement... oh, le FCVOD, ils sont Gucci. Vous serez parfait. YouTube, c'est coucou. Je vais dire Big D. Ok, man. Scar, on va terminer avec toi. Ah non, il y a... il y a Wall aussi. Il y a Wall. Ça, c'est Wall. Ah non, ça n'a la voté. Moi, j'ai aidé, moi. Pour les mêmes raisons qu'Aïsine. C'est que je sais qu'à l'époque, tu voulais pas être OG. Vas-y, ça te laisse ta place à Wall et après, on aura fini. Ouais, vas-y. Vas-y, Scar, on t'écoute. Allez, monte tes couilles un peu après. Tu sais très bien, je te respecte. Je te respecte du plus profond de mon cœur. Ce hood, c'est ton hood. Tu vas te venger de Yannick Noah ? Mais Yannick Noah, c'est lui qui... virus, au cas où t'as pas compris. Alors que pourtant, t'es... au final, Yannick Noah, il a juste été envoyé avec tout le gang, en fait. Je te respecterai toujours. J'étais seul contre YouTube. Mais comme l'a dit Ice contre... et Sad, avec tes contre tout le monde, tout le gang. Où tu ne voulais pas être OG avant. On prend totalement ses raisons et je pense que aussi que Big G a plus les épaules pour être OG. Cependant, c'est pas pour ça que tu dois redescendre ou quoi. Justement. Je pense que tu ferais un super T'as assez mouillé le maillot. Scar le mouilleur de maillot, c'est vrai. Ah, ça y est. Okay. Il est trop drôle, Scar. Si vous continuez comme ça, Deux, il va casser la table. Man, fais ton vote et vas-y, vote. Putain, tu parles trop. Du coup, je vote Big D. Vas-y, à toi, Wall. Ouais, bien sûr. Sachant que je vous mets dans le même piédestal, Deux et Big D, je vous connais pas non plus assez beaucoup. Hein. Je viens d'arriver à très peu de temps. Mais sachant que, disons que Deux n'a pas trop manifesté, pas trop l'envie d'être OG, je dirais Big D. Qui a tiré ? C'est moi. Sad.
Ok les man, là les votes sont terminés. À la majorité c'est Big D qui l'emporte et le deuxième c'est Dust, donc logiquement c'est ton second, ton bras droit. Et Big D, t'es officiellement le nouveau OG des Families, man. Families for life. Ouais. Ouais. Ok, ok, ok. Attendez les gars. Le Discord, man. J'ai pas fini parce que... Oh merde, le Discord de 2 heures. Un Discord de 2 heures, c'est parti. Un Discord, C'est mérité, man, c'est mérité. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vais vous dire une chose. C'est que... Manque de peau pour vous. Vous m'avez nommé Big D. Big D OG, c'est ça? Ouais. C'est ça. Sauf man. Que j'ai une autre vision de notre famille. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'un OG doit rester discret. Un OG doit pouvoir faire confiance à ses hommes. Et pour faire confiance à ses hommes, il doit leur donner des responsabilités. Comment donc ça? Dans un premier temps, ok, vous voulez que je sois OG, je serai OG. Mais on vivra sous une autre ère de OG, ça sera pas le même OG. Deuze, je te nomme officiellement bras droit. Mon ami Deuze, je te pose mon fardeau, je te le donne avec plaisir. Parce qu'à partir de maintenant, si tu pensais que tu serais là à flâner et être à t'amuser, à taper des plongeons avec tes frères pendant qu'on est en rendez-vous avec toi. Ouais, y'a pas de grand changement, c'est juste que. C'est juste Jayden qui est plus OG. J'étais là, mais j'ai pas fait ça. Et de Young en moins. Oui. Mais maintenant, il est peut-être tenté maintenant qu'il a. En fait, l'équipe, elle a pas changé, c'est juste qu'il y a. Je vais te dire que. Il y a eu un changement d'hiérarchie. Mais c'est bizarre en fait. Quelqu'un de participatif. Donc. On peut pas dire changement d'hiérarchie là, sachant qu'il y a toujours 2 sur 3, tu vois. Les affaires de la famille. Tu ne le sais pas encore, ah, mais le bras droit est encore plus important que l'OG. C'est ma vision des choses. Ah ouais, Dave. Maintenant, une autre chose. Vous allez tous décider entre vous, je vais m'écarter. Parce que c'est pas à moi de donner mon avis, vu qu'on est une famille. Je vais vous laisser autour de cette table. Vous allez venir me chercher quand vous aurez fini. Oubliez tout ce qui s'est passé. Tous les grades qu'on a pu vous donner. Mais non. Vous allez faire une table ronde et décider de qui doit être où à partir de maintenant. Mais non. Non mais man, je t'arrête, En vrai, on t'arrête man. Big D. On va garder nos grades, man. Parce que vous étiez quand même... Non, Big D, en vrai, vous étiez quand même, je veux dire... là, on parle pas quand même d'une toute nouvelle hiérarchie. Vous étiez 2 sur 3 gradés. On en a perdu un, il y en a toujours 2 sur 3. Donc au final, les grades, c'est vous aussi qui contribuez ouais, dedans. Mais il y a un grade qui est vif, par exemple. Peu importe. Écoute, si t'as envie de rester là où tu es, tu le feras à savoir. Ouais, je vais rester où je suis, même si moi je te vois pas à l'endroit où tu es. Mais c'est pas grave. Décidez. Je vous laisse la table. Je suis juste derrière. Ok, quand ok. Vous avez fini de décider. Vous venez me chercher. Et j'aimerais savoir comment vous voulez que cette famille s'organise. Vas-y, ça marche. On est dans du participatif à partir de maintenant. Tout le monde a une place importante ici. Moi, les gars, je vais pas bouger. Je préfère que ce soit lui qui me up, les gars, plutôt que moi-même. C'est pas drôle en fait. Bah, tu vois. Mais monte, enfoiré. Okay, bah non, les gars, c'est comme si tu disais à Monkey D. Luffy où était le One Piece. J'attends qu'il ait une attitude exemplaire. Monte. Je vais me pendre, mais monte. Depuis le début. Mais non. J'attends qu'il puisse être autonome. Si le OG n'est pas là, arrêtez de vous chier dessus, bordel. On est des putains de gangsters. Vous êtes assez grands pour prendre des décisions. Je vous fais confiance. Je vous laisse prendre des décisions. S'il se passe quelque chose de mal, je vous mettrai pas dans une piscine pour vous mettre une tête parce que c'est moi qui aura pris la décision de vous laisser cette liberté, donc je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Les lieutenants, je compte sur vous pour prouver au bras droit que vous avez les épaules pour pouvoir garder une discipline tout en gardant, on va dire, une ambiance plutôt familiale parce qu'on reste quand même une famille quoi qu'il en soit. Mais il faut savoir tenir, garder le torse bombé et le menton levé quand on fait face à d'autres groupes. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'amuser et il y a un temps pour être sérieux. Les gars, que ça, je crois. Messieurs ouais. Les représentatifs, ça, Sad, hein. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes les premiers contacts face à la population civile. C'est-à-dire que on ne vient pas toquer à la porte du OG juste en demandant le numéro du OG. C'est ça, je préfère en fait, les gars. Même si je monte demain, je préfère celui qui monte. Ils font leur taf auprès des lieutenants et du bras droit. Si vous estimez qu'une personne mérite
de s'entretenir avec vous. Je mets cette responsabilité entre vos mains. Ça, c'est trop rapide, je sais pas. En ce qui concerne Young, vous ne le savez pas, mais vous êtes le premier contact avec le client. C'est terminé, l'histoire où vous êtes obligé de rendre des comptes au G. Non, mais en vrai, je pense même si je monte pas aujourd'hui, il va me monter demain ou dans la semaine, c'est sûr, frère. Mais je préfère que ce soit lui qui me monte. C'est à vous de gérer. Je préfère celui qui me monte en l'air, tu vois. Alors oui, vous allez faire des conneries. Oui, je vais vous goumer dans une piscine parfois. Alors, je préfère celui qui me traîne dans la piscine. Mais tant que vous mettez pas la famille en danger, vous n'avez rien à craindre. Qui m'envoie en haut, dans les grades. Soyez discret, mais ce soir, ils ont pu me prouver qu'ils avaient quand même un minimum de cerveau et qu'ils étaient capables, par instinct de survie, de faire ressortir en eux des hommes que j'avais vus au fond d'eux, mais qui n'étaient pas encore ressortis. Cody ? Ouais, yo man. Mais je vais pas te mentir que sur toute cette famille, s'il fallait que je bute quelqu'un en premier, c'était toi. Oh. Sauf que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Cody, c'est un peu comme le Doliprane. Tu vois, quand t'as mal à la tête, Cody arrive, et tout de suite, on va dire que t'as plus mal à la tête, tu vois. Putain. Tu te sens mieux. Tout à l'heure, t'as quand même calé le roi Merlin au moment où le OG il allait se faire caler, caner, et là tu me cales Doliprane, man. Ensuite, t'as calé tête de noisette. Il faut arrêter, man, de partir dans des métaphores super longues. Le roi Merlin, man, qu'est-ce qui t'est passé par la tête, le roi Merlin? Je sais pas. T'es allé faire tes courses d'après ou quoi, man? C'est l'inspiration. Ok, bref, ouais, désolé de te couper. Vas-y, continue, OG. Eh ouais. Ok. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Une dernière chose. Audi, j'espère que les personnes autour de cette table sauront savoir où tu dois être positionné. Je vais vous laisser maintenant, vous savez ce que j'attends de tout le monde. Décidez et faites-moi signe quand il veut trop que je monte, en fait. Décidez de ce qui devait être fait. Ouais, Big Dish, on dirait un what. Vas-y, OG. Bon, les man, je vais vous donner mon avis, moi. Ok. Je pense, si. Personnellement, hein, je trouve ça, je sais pas pour vous, hein, mais je trouve ça limite humiliant et pas mérité de se monter soi-même dans la hiérarchie. Donc moi, c'est mort, les man. Je bouge pas tant que c'est pas le OG et les gradés qui me font monter, les man. Vas-y, moi j'ai une idée. Venez, on dit tous à Big D d'aller se faire voir. Ouais, moi je suis complètement d'accord. J'ai pas envie de mourir. Moi je suis d'accord aussi. Ouais. Ouais, c'est bon, les man. Je rigole. On fait ça? Ouais. C'est non, ça, je pense que c'est ça. Votre, c'est vous les gradés, les man. C'est à vous de nous faire monter ou c'est vous qui voyez ce qu'on mérite. C'est vous qui décidez ce qu'on mérite ou pas, les man. Mais en tout cas, c'est carré la liberté, tu vois. On voit que. Elles sont où tes couleurs? Les couleurs, moi? Bah, pour l'instant, j'ai plus rien. Remets-les. Bon, allez, c'est bon, tu peux les attraper. Donnez-lui. Attends, je vais te donner. On va te rattraper. Le OG arrive. Bon, bah, on finit tous piscine, bonne soirée. C'est quoi ça? Oh, ouais, tu lui as donné une veste, vraiment. Je prends ma petite chemise, ok. Ah, voilà. Ok, du coup, Big D, on a discuté et tout. Bon, ça a été rapide, non, comme t'as pu le voir. C'est la carte SLG. Boobs, il nous a validé notre décision. Il nous a dit, c'est lui qui l'a dit, hein. Il a dit que tu devais aller te faire voir. C'est moi, j'ai rien dit. Hein. Il a dit que tu devais aller te faire voir. Et que nous. Et que nous. Non, non, moi je dis juste qu'il nous a demandé de te dire. Et que, en gros, on n'acceptait pas de se monter soi-même dans la hiérarchie. Si jamais on doit passer, c'est que c'est mérité. Ça sera dans la piscine et au mérite. Et parce qu'on aura mérité et qu'on aura taffé pour, man. Family is for life. Ok. On te laisse décision, man. Eh ben, dans ce cas-là, on fera une piscine demain. Ok, carré. La nuit porte conseil. Putain, il est trop smart. Laissez-moi réfléchir un peu à tout ça. C'est carré, man. On te fait confiance. Aujourd'hui, je vais pas vous demander d'aller travailler, je vais pas. La soirée, je pense qu'elle a été difficile pour tout le monde. Dingue. Les décisions qui sont prises, c'est des décisions qui ont été prises pour le Hood. Mais ne pensez pas que je me réjouis d'être là où je suis. Parce que ce que je viens de prendre, c'est peut-être même un fardeau. C'est un honneur, mais ça reste un fardeau. Je pense que je m'en J'ai demain, la responsabilité de beaucoup de personnes maintenant autour de moi. Et il va falloir que je puisse honorer ce titre. Messieurs, prenez le temps si vous voulez boire un coup entre vous. Vous prenez entre vous, discutez. Soufflez un peu et demain revenez encore plus fort. Family's for life. Comptez sur vous. Gloire au nouveau OG. Family's for life, les man. Family's for life. Les man, moi je vais vous laisser. De base, j'avais la crève aujourd'hui. Je devais pas être là. Au final, je suis venu pour un quart d'heure. J'ai choqué, les man. Et non, franchement, c'était carrément gang. Une petite pensée quand même pour Jayden. Et pour les. Et pour les décès. Non, man, moi je fais pas de flic aujourd'hui. Flic ce soir. Félicitations, Big D.
Et bravo aussi de. On va pouvoir défendre notre labo, puisque apparemment. Enfin, mais les sports life, les mains. Putain, mais celui. Oh là là, mais. Stay safe. Les pires gars. Stay safe, les mains. To protect and to serve. Big D, je dois aller voir un ami au 24-7 et. Vas-y, tranquille. Bon, bah, conclusion de la journée, je suis une tête de noisette et un doliprane. C'est carré, hein.